toujours sur le quai, là, c'est ça ? On va donc commencer cette table ronde. Bonjour à tous. Notre séance sur l'intelligence artificielle et le droit de la santé va commencer évidemment par des remerciements. Remerciements aux organisateurs de ce cycle de conférences qui m'ont confié la direction de cette table ronde, Bernard Haftel et Mustapha Mekki pour l'IRDA de l'Université Sorbonne Paris-Nord, Soraya Amrani Mekki pour le 7KC de l'Université Paris-Nanterre, et évidemment remercier la Cour de cassation et en particulier Madame Clojanson pour l'organisation de cette conférence. Je voulais aussi remercier très chaleureusement tous les intervenants que je présenterai lorsque je leur laisserai la parole. Jean-François Pomerol, Adèle Lutin, Nicolas Glatt, Jean-Sébastien Borghetti et Michel Berthaud. Cette séance est donc consacrée à l'intelligence artificielle et le droit de la santé. Après les séances sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, le droit de la concurrence et le droit du travail. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, si on s'intéresse au sujet plus global de IA et santé, c'est que c'est un sujet d'actualité et qu'il y a eu sur le sujet de multiples rapports, les rapports du CNOM, Livre blanc de 2018, un avis du CNCE, du Comité consultatif national d'éthique, récemment un rapport de l'OMS, et puis on peut citer évidemment le rapport Villani, qui date aussi de 2018, donner un sens à l'intelligence artificielle, puisque le rapport Villani fait un focus particulier sur la santé et indique que les gains susceptibles d'être obtenus concernent aussi bien les champs de la prévention, du dépistage, du soin, de l'accompagnement, de l'enseignement, de la recherche, que de la gouvernance ou l'organisation des systèmes de santé. Donc, on voit que l'intelligence artificielle, qu'on définira lors de la première intervention, l'intelligence artificielle a un rôle majeur dans le domaine de la santé. Alors, ce rôle majeur a incité l'Union européenne à s'y intéresser. Alors, pas forcément spécifiquement dans le domaine de la santé. Il y a aussi des projets, comme vous le savez, plus globaux. L'intelligence artificielle, c'est 1 milliard d'euros investis par la Commission au titre de ses programmes Europe numérique et Horizon Europe pour essayer d'attirer 20 milliards d'euros d'investissement. La stratégie européenne en matière d'intelligence artificielle a fait l'objet d'une consultation en 2018. Un groupe d'experts a proposé des lignes directrices pour une intelligence artificielle digne de confiance en 2019, et puis on a un livre blanc de la Commission sur l'intelligence artificielle publié en 2020. On a surtout en ce moment la proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, proposition qui parle un peu du secteur de la santé, surtout dans le considérant 28, voilà, où les enjeux pour la vie et la santé sont particulièrement importants. Les systèmes de diagnostic de plus en plus sophistiqués, les systèmes soutenant les décisions humaines devraient être fiables et précis. Donc on a cet intérêt européen global. On a aussi évidemment un intérêt du législateur au niveau interne, puisqu'on a dans la loi relative à la bioéthique une disposition sur l'information s'agissant des dispositifs médicaux comportant un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives. On reviendra éventuellement sur cette disposition à la fin de cette table ronde. Et je voulais aussi préciser que je prendrai les questions plutôt, toutes les questions à la fin, pour laisser les intervenants s'exprimer. Donc le plan de la séance sera le suivant. Nous allons d'abord commencer par une introduction générale sur l'intelligence artificielle, avec un exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé présenté par Jean-François Pomerol, qui est le directeur général de Tribun Healthcare, et par le professeur Philippe Berthaud, qui est chef de service en pathologie à l'hôpital Saint-Louis et président de la Société française de pathologie. Ça sera une introduction pour montrer concrètement à quoi l'intelligence artificielle peut servir dans le domaine de la santé. Ensuite, on aura un premier temps sur la construction des modèles d'intelligence artificielle et notamment la question de l'accès aux bases de données, avec Adèle Lutin, juriste à la CNIL, et Nicolas Glatt, directeur général de Clinitix.
Et puis, un deuxième temps sur l'utilisation de liens en santé avec un focus particulier sur la question de la responsabilité avec Philippe Berthaud et Jean-Sébastien Borghetti et Nicolas Glatt. Et donc, éventuellement, on parlera de la question de la régulation des algorithmes et de l'information à la fin de cette table ronde. Et donc, nous prendrons les questions à la fin. J'en ai fini de cette introduction et je laisse donc la parole à Jean-François Pomerol, que je remercie. Bonjour à tous, professeur Debé, merci de m'avoir invité à cette table ronde IA et droit de la santé. Alors, je vais ici parler en tant que chef d'entreprise. Je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Tribun Healthcare. Peut-être on peut. Voilà, super pour la slide. Dont le métier, c'est d'accompagner des médecins, des pathologistes, dans la transformation digitale de leur métier. Ces médecins sont en charge du diagnostic cellulaire et tissulaire de pathologies complexes, et notamment du cancer, et ont des enjeux aujourd'hui au niveau du diagnostic, mais aussi de détermination d'éléments pronostiques et prédictifs qui sont majeurs à l'heure de la médecine de précision et où les thérapies sont de plus en plus ciblées. Donc ça devient un enjeu majeur d'avoir vraiment un diagnostic qui soit extrêmement précis. En tant que société, quelques mots, nous sommes basés à Paris, une quarantaine de personnes avec des financements de capitaux privés et une ambition qui est globale parce que l'imagerie médicale et l'imagerie du diagnostic des cancers s'effectuent partout de la même façon dans les différents pays. Nous commercialisons nos solutions à des hôpitaux, des laboratoires en milieu hospitalier, en milieu privé également, des laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez ici quelques noms et quelques institutions. La PHP notamment, qui est vraiment voisine de cette salle. Alors avant d'expliquer un peu ce que nous faisons en IA et appliqué à la santé, je voudrais essayer de définir un peu, puisque j'ai la chance de démarrer cette table ronde, ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de techniques informatiques, mathématiques, qui permettent à des machines d'imiter l'intelligence humaine. C'est des méthodes ou des théories qui sont apparues dans les années 50, notamment autour d'Alan Turing, mais qui ont trouvé un renouveau ces derniers temps grâce à l'apparition de calculs, de capacités de calcul qui permettent de les appliquer à la vie réelle. Alors il y a plusieurs techniques d'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez des techniques dites de machine learning, d'apprentissage profond. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces modèles d'intelligence artificielle fonctionnent à la base avec un ensemble de données et que sur ces données, on va donner plus ou moins d'informations, plus ou moins d'indications et qu'on va entraîner un algorithme ensuite à trier et à comprendre ces données. Donc on va être plus ou moins supervisé, donc très supervisé, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup d'indications à l'algorithme sur ce qu'il doit trouver. Et non supervisé, c'est on va le laisser lui-même s'occuper de trouver les corrélations dans ces données. Je vais prendre un exemple très trivial, parce que c'est des notions assez complexes, mais imaginons que nous ayons mis l'image 500 avec des chats, 500 avec des poissons, et qu'on veuille apprendre à l'algorithme à reconnaître un chat et un poisson. Eh bien, on pourrait lui donner une méthode extrêmement supervisée. On lui dit, voilà, ceci est un chat, ceci est un poisson, et c'est assez facile pour toi, parce qu'un chat... ça se caractérise par quatre pattes et des poils, alors qu'un poisson, ça a des nageoires et des écailles. Et donc, on va lui donner une indication de ce qu'il doit chercher dans ces images. Et donc là, on est sur des méthodes plus de machine learning, très supervisées. Mais on voit que ce n'est pas si simple, parce qu'un chat, il peut être allongé, il peut être assis sur son postérieur, et à ce moment-là, il n'a plus quatre pattes. Et que peut-être, en fonction des éclairages, des conditions d'éclairage, on aura du mal à distinguer le poil ou les écailles, et donc que ces critères, finalement, ils sont difficiles à vraiment prendre en compte et à les rendre robustes à toutes les situations dans lesquelles on verra des chats et des poissons dans des futures images. Et donc on va aller sur des approches nettement moins supervisées où on va dire finalement on ne te donne pas de critères, c'est à toi algorithme de trouver la meilleure manière de discriminer ces images et on va juste dire ceci est un chat, ceci est un poisson, on va le faire sur les 1000 images et on espère que sur la 1001e il va lui-même trouver si cette image est plutôt du domaine du chat ou plutôt du domaine du poisson. Alors ça a des applications très concrètes dans la manipulation de grandes bases de données, notamment pour trouver des tendances,
par exemple dans les assurances, où voilà, on va avoir des millions d'enregistrements, on va pouvoir déterminer, à partir de apprendre à des algorithmes à trouver des patterns et à prédire des événements à partir de ces bases de données. C'est un domaine qui est aussi extrêmement appliqué, c'est la reconnaissance vocale. Et puis vous avez également en bas à droite le domaine qui est le mien, mais qui est appliqué ici au phénomène des voitures autonomes, donc la distinction et la lecture d'une image et d'un paysage. Alors, ça c'est assez générique sur l'intelligence artificielle. Comment ça s'applique dans mon domaine, qui est celui du diagnostic des pathologies, notamment du diagnostic des cancers? Donc on va avoir en entrée une image qu'on va donner, qui est l'image que le pathologiste traditionnellement étudie au microscope. On va la faire passer dans des réseaux de neurones, dans des systèmes d'intelligence artificielle, et en sortie, va nous donner une probabilité d'appartenance à une certaine classe. Alors, on a plusieurs types d'usages. On peut trier des images entre des images qui sont des images normales ou des images de cancer. Donc, on va donner ça, et l'algorithme va nous dire que cette image est plutôt du domaine du cancer, celle-ci est plutôt du domaine du normal. On va avoir d'autres approches pour segmenter, mesurer, par exemple mesurer la taille d'une tumeur, compter le nombre de cellules. On peut avoir des approches pour du repérage d'événements rares dans des images, trouver des éléments rares, ici par exemple des mitoses, donc qui sont des éléments pronostiques dans beaucoup de cancers et qui sont des événements difficiles à repérer parmi ces très grandes images. Donc là on est sur des approches supervisées, c'est-à-dire qu'on va donner des images et on va donner des exemples à l'algorithme de ce que l'on cherche et ensuite il va les retrouver. On a des approches non supervisées également qui sont possibles dans le domaine du diagnostic des cancers, par exemple pour générer des images d'autres couleurs à partir d'une image de base. Et ces autres couleurs vont nous permettre de déterminer la présence ou l'absence d'un gène, d'une protéine. Et puis on a également des manières d'essayer de déterminer des sous-ensembles. On a 1000 patients qui ont un cancer du poumon et on va demander à l'algorithme s'il ne peut pas faire des sous-ensembles plus homogènes que 1000 patients. Et donc grouper ces patients par types différents et voir si ces sous-types ou ces sous-groupes sont corrélés à un pronostic ou à une réponse à une thérapie. Voilà le type d'approche que l'on a sur ces modèles IA appliqués à l'imagerie des cancers. Alors quel impact concret ça a sur un métier, quel métier du pathologiste? Je vais donner deux exemples. Le premier, qu'un algorithme sur lequel nous travaillons, qu'un algorithme de détermination de la signature moléculaire des cancers du sein. Donc à partir des images des patientes qui sont diagnostiquées pour un cancer du sein, on va pouvoir développer un algorithme qui va automatiquement calculer des scores sur différents biomarqueurs, et ces différents biomarqueurs et leurs scores permettent de déterminer si la patiente va être éligible à des thérapies ciblées, des thérapies adjuvantes à la chimiothérapie de base. Et donc aujourd'hui, au lieu d'avoir une lecture seule à l'œil, on va avoir une lecture assistée pour faire gagner du temps. L'objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps et de gagner en précision pour le pathologiste. Donc, c'est une aide au diagnostic, une aide à la détermination de ces scores. Enfin, un deuxième exemple, sur le tri des lésions, des biopsies du col utérin. Donc, vous avez à gauche l'image qui est celle que le pathologiste doit interpréter, et à droite, vous avez chaque pixel s'est vu attribuer une classe entre du tissu qui est dit normal ou du tissu qui est dit adénocarcinome, donc cancer, puis il y a différents stades intermédiaires. Et en fonction de la présence ou l'absence de ces tissus, on va pouvoir déterminer si ce cas, cette image, cette lame est ou pas un cancer. Et vous voyez ici qu'on a des pourcentages, et ça c'est une notion très importante, c'est que toutes ces méthodes d'apprentissage en fait sont des méthodes statistiques, c'est-à-dire qu'elles vont donner une probabilité d'appartenance à une classe. Quand on leur donne des nouvelles images, c'est-à-dire il y a une forte probabilité ou une probabilité moyenne que ce soit du cancer. Et donc on voit ici que tout est question après d'interprétation de ces niveaux de probabilité. Alors, il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent quand on est une entreprise qui travaille dans ces domaines de l'IA et de la santé. J'en ai souligné trois qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est la donnée. C'est déjà quelque chose que j'ai beaucoup mentionné. On ne peut pas faire d'intelligence artificielle sans avoir beaucoup de données. Le second, c'est la confiance. Et le troisième, la responsabilité. Alors, je vais détailler un peu sur le domaine de l'intelligence artificielle et les données. Donc, il y a des enjeux qui sont à la fois techniques, technologiques, c'est beaucoup de données. Ici, nous, on parle de très grandes images. Donc, il faut savoir les manipuler, il faut savoir les stocker, il faut savoir le faire
dans des conditions aussi de ressources et de calculs qui soient adéquats, et tout en garantissant la sécurité, la cybersécurité. Il y a au-delà du domaine technique un défi qui est éthique et légal. Cette donnée est une donnée qui est sensible, une donnée médicale, qui appartiennent à des patients, et le législateur a prévu un certain nombre de droits quant à l'accès, à la modification, au consentement. Et donc on voit ici qu'on ne peut pas récupérer ces données et en faire n'importe quoi. Donc il y a un cadre qui s'impose à nous, et par exemple on a développé des approches, comme ici le Federated Learning, donc qui permet de garder les données dans les différents hôpitaux qui les ont constituées dans le cadre du soin, et de faire en sorte que les algorithmes s'entraînent en se déplaçant d'hôpitaux en hôpitaux pour éviter de réunir des données en un seul et même endroit, ce qui est pratiquement impossible au regard du droit du patient. Alors on peut avoir une illustration avec le Data Challenge qui avait été organisé par la Société française de pathologie. Il y a Philippe Berthaud qui est ici. Voilà, et les différentes étapes d'information, de collecte de ces données au fil du temps. Donc, Data Challenge organisé par la Société française de pathologie et le Health Data Hub en 2020. Peut-être quelque chose sur lequel le professeur Berthaud reviendra tout à l'heure, mais il y a un cadre juridique, notamment la méthodologie de référence 004 de la CNIL. Deuxième enjeu, c'est faire une IA de confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans une décision médicale qui s'appuie sur un algorithme d'intelligence artificielle, et quelles sont les conditions de cette confiance? Là également, le législateur a posé un certain nombre de garde-fous, mais l'IA doit être évidemment explicable, c'est-à-dire on doit comprendre où l'algorithme a pris sa décision et pouvoir remettre en cause la décision de l'algorithme. Elle doit être résiliente, robuste, c'est-à-dire être s'appliquée dans des conditions qui ne sont pas seulement des conditions opératoires du laboratoire, mais sur l'ensemble des données, et évidemment prendre en compte l'hétérogénéité des patients, des hôpitaux, des structures. Elle doit être également validée cliniquement, comme on valide un dispositif médical ou un médicament. Donc là, on va partir sur des validations cliniques à visée de marquage CE. Et puis, c'est une IA, évidemment, qui doit s'appuyer absolument sur une expertise médicale. Ces images, dans notre cas, ne sont pas simples à comprendre. Elles requièrent une expertise médicale. Et donc, la construction de ces algorithmes, comme leur validation, nécessite un tandem entre des data scientists, des ingénieurs, et une expertise médicale. Et on voit ici différentes approches. En bas à droite, c'est sur comment on peut prendre en compte une hétérogénéité de colorimétrie. Et à gauche, comment on peut modéliser la connaissance a priori des médecins au sein de ces réseaux de neurones et ces réseaux d'apprentissage. Enfin, le dernier élément qui est important dans notre domaine, c'est la responsabilité. Quand une décision diagnostique et thérapeutique s'appuie sur une IA, j'ai dit que ce sont des approches probabilistes, ce qui veut dire qu'on n'a pas 100% de probabilité. Donc l'IA et l'algorithme se trompera, c'est intrinsèque à sa construction. Et donc, quelle est la responsabilité du médecin? Quelle est la responsabilité du fabricant que je suis, face à une erreur médicale qui sera induite ou dans laquelle l'intelligence artificielle aura pris une responsabilité, une cause. Et donc là, je pense qu'un des éléments de réponse, c'est la revendication médicale, c'est-à-dire quelle revendication médicale on a par rapport au dispositif médical qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est de l'aide au diagnostic? Est-ce que c'est du contrôle qualité? Est-ce que c'est du diagnostic? On voit qu'on peut avoir différentes, pour un même algorithme, différentes revendications, différents scénarios d'usage, pour lesquelles les responsabilités ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il faut rester extrêmement modeste quand on a une approche sur l'intelligence artificielle par rapport la revendication médicale que l'on a. Voilà un peu les éléments. C'est évidemment des développements qui vont être poursuivis par les juristes derrière moi. Mais voilà les éléments que je voulais restituer en tant que chef d'entreprise sur le terrain et sur ces sujets d'IA et d'imagerie médicale. Merci. Je vous remercie très vivement de cette introduction très, très claire et très concrète. Je vais laisser la parole au professeur Philippe Berthaud pour compléter peut-être sur cette expérience du Data Challenge. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur une diapositive 4 ou 5 précédemment, celle qui montrait précisément la collecte des données du Data Challenge, celle-ci. Voilà, juste un petit commentaire. Puisque donc moi en tant que médecin pathologiste, j'ai contribué, j'ai été un des éléments parmi beaucoup d'autres pour la collecte de ces données, et collecter des données numériques en santé, c'est un défi en soi. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avoir des milliers de photos de chats et de poissons que d'avoir des milliers de photos de données de santé dont on connaît l'encadrement juridique, naturel, mais du coup contraignant.
Alors, pour ce data challenge, et M. Pomerol vous a montré tout à l'heure sur ce sur quoi ça a débouché, hein, finalement, un algorithme qui permet de reconnaître des lésions, des biopsies du col utérin. Mais pour en arriver là, avant, il a fallu collecter les données d'à peu près 5000 patientes. 5000 patientes, et pour les trouver, ces patientes, on a fait un appel national, un appel à candidature de centres volontaires. On a une vingtaine de centres sur toute la France qui ont répondu et qui ont cherché dans toutes leurs archives des cas de lésions du col utérin qui auraient pu être inclus, qui ont été inclus dans ce data challenge. Alors bien sûr, avant de les inclure pour de vrai, la sécurité juridique de base, c'est évidemment que les patients soient informés et qu'ils aient eu l'opportunité de s'opposer, ce qui a été évidemment fait pour les 5000. Et ensuite, la procédure a été assez simple finalement, c'est l'anonymisation complète et irréversible, sans aucun retour possible au nom de la patiente. On pourrait parler longtemps des modalités de pseudonymisation léger, moyen, fort ou anonymisation totale des données, c'est un sujet en soi. Puis ces données anonymisées ont été numérisées et mises en ligne sur des serveurs où elles ont été annotées et in fine, elles ont servi à une compétition internationale à laquelle d'ailleurs l'équipe de M. Pomerol a participé et a même remporté la première place, on peut quand même le signaler. Et donc cette compétition a permis de faire émerger des algorithmes qui permettent, dans cette situation de maladie du col de l'utérus, de fiabiliser en quelque sorte le diagnostic fait par le pathologiste. Voilà, donc c'est une première intervention sur les données. Je reprendrai tout à l'heure la parole sur le diagnostic de tous les jours. Je vous remercie. On voit bien donc que les données sont à la base, en tout cas, de certains modèles d'intelligence artificielle et la nécessité d'avoir accès à ces données est un problème crucial. Or, on souligne traditionnellement en France la richesse des bases de données, qui reste néanmoins à l'origine pour les plus grandes d'entre elles des bases de données médico-administratives, tout en soulignant les difficultés d'accès à celles-ci. On peut citer récemment le rapport Botorel, par exemple, qui affirme ainsi que dans la santé, les obstacles à la recherche favorisent le recours à des services chinois et qui donne un exemple d'une start-up qui engage depuis 2017 des travaux de recherche pour améliorer le traitement des cancers par radiothérapie grâce à l'intelligence artificielle et qui, dont les recherches sont à ralenti par des obstacles administratifs qui limitent l'accès aux données, à la fois par le manque d'harmonisation des règles d'accès aux données entre acteurs de santé et par la longueur des procédures de la CNIL. Outre la perte de chance pour l'amélioration du traitement des patients, cette situation conduit à favoriser la concurrence de sociétés chinoises qui accèdent au marché des hôpitaux français grâce aux données pourtant de moindre qualité qu'elles exploitent en Chine. Voilà. Donc ça, c'est l'affirmation du rapport Botorel qui met directement en cause la CNIL. Donc on va s'interroger sur cet accès aux données dans cette première partie de la table ronde, avec notamment Adèle Lutin, qui nous présentera les règles d'accès aux données, et puis ensuite Nicolas Glad qui nous parlera, lui, de son expérience et peut-être son avis sur le point de savoir si la question de l'accès aux données en France mérite une évolution du cadre législatif. Merci pour cette possibilité d'intervention. Du coup, je voudrais juste préciser en introduction que je suis effectivement juriste à la CNIL, mais que je ne m'exprime donc ici pas au nom de la Commission. Donc, il m'a semblé important de vous parler donc tout d'abord du système national des données de santé qu'on appelle le SNDS, qui est une base de données médico-administrative très demandée dans le cadre de projets d'intelligence artificielle, car elle concerne toute la population française, avec notamment dedans donc les soins de ville et les soins de consommation hospitalière. En fait, de façon pratique, les médecins et les professionnels hospitaliers codent les actes et également les diagnostics qui sont réalisés. Ces codes-là remontent de façon uniforme à des structures qui donc consolident l'ensemble des données qui leur sont remontées et qui ensuite permettent une mise à disposition d'autres structures, notamment à des fins de recherche. Donc, le système national des données de santé existe depuis 2016. Il était alimenté par 5 sources, dont 3 étaient effectivement disponibles. C'était donc les données de l'assurance maladie, donc les données de consommation de soins de ville, donc dans le SNIRAM, les données de consommation hospitalière, donc dans le PMSI, également les bases de certificats de décès dans le CPDC.
Deux autres sources de données existent, mais qui n'alimentent pas de façon effective le SNDS tel qu'il existait. C'est donc les données relatives au handicap qui émanent des maisons départementales du handicap et donc recueillies par la CNSA, et également l'échantillon d'organismes d'assurance maladie complémentaire. En 2019, avec la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé, de nouvelles sources ont été ajoutées au SNDS, typiquement les données qui occasionnent des remboursements de soins. Donc, en pratique, on peut imaginer que ça correspond aux dossiers médicaux, les données de la perte d'autonomie, les données d'enquête dans le domaine de la santé, les données de visite médicale et de dépistage obligatoire au niveau scolaire, les données de protection maternelle et infantile, les données des visites d'information et de prévention dans le cadre de la médecine du travail. Donc aujourd'hui, ces données-là ne sont pas remontées de façon effective des hôpitaux vers la CNAM, mais à terme, il est envisagé que cela puisse avoir lieu pour pouvoir centraliser dans une base l'ensemble de ces sources de données. Donc l'ensemble de ces sources-là pourra à terme être regroupé dans une base principale qui sera gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie, sachant qu'aujourd'hui, dans les faits, il n'y a toujours que les trois premières sources qui sont effectivement disponibles. Il convient de préciser que dans le SNDS, il n'y a pas de données directement identifiantes. Il n'y a pas le nom et le prénom des personnes. Par contre, il existe des identifiants potentiels qui sont des variables qui, si elles sont toutes disponibles en même temps, permettent de facilement identifier la personne. Ces identifiants potentiels sont notamment, par exemple, la période de naissance exprimée en mois et années, le code de commune de résidence ou encore la date du décès et le code de la commune du décès. La base principale est également complétée par un catalogue de données qui est mis à disposition par la plateforme des données de santé qu'on appelle également le Health Data Hub, dont le contenu sera défini par un arrêté qui devrait être publié prochainement. Le catalogue plus la base principale, on appelle ça donc le SNDS centralisé. Pour accéder au SNDS, qui est donc une base très importante dans le domaine de la santé, il y a deux accès qui sont intéressants. L'accès permanent, qui ici nous intéresse peut-être un peu moins, parce que on peut peut-être s'interroger sur les compatibilités, puisqu'en fait, ce sont des accès qui sont donnés à des structures publiques, par exemple des équipes de recherche de centres hospitaliers ou centres de lutte contre le cancer. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait peut-être être pertinent. Ces accès-là sont déterminés en fonction des missions des structures et donc leur accès est déterminé en profondeur et également en étendue d'accès. Donc à titre d'exemple, les équipes de recherche, elles, ont accès à 19 ans plus l'année en cours et sur le plus gros accès qui est possible aux données du SNDS. L'autre accès qui existe, c'est les accès projet, donc c'est pour les structures qui n'ont pas un accès permanent. Dans ce cas-là, donc, c'est un accès qui est ouvert à tous. Jusqu'en 2016, cet accès devait être réalisé dans le cadre d'une recherche. Et depuis 2019, il est possible d'y accéder de façon un peu plus pérenne. Et donc, du coup, de pouvoir typiquement faire des entrepôts, donc qui sont des bases de données, qui peuvent être donc appariées, donc, c'est-à-dire rapprochées avec le SNDS. Donc, il serait envisageable de faire des bases de données avec des dossiers médicaux plus des données du SNDS. On essaierait de retrouver la même personne pour avoir sur une même ligne les données du dossier médical et les données du SNDS. Pour accéder au SNDS, cependant, il y a quand même des conditions à respecter. Donc c'est pour toute structure qui justifie d'un intérêt public. Donc le projet d'accès aux données doit justifier d'un intérêt public. Également la nécessité de respect de la protection de la vie privée, la transparence des résultats et des moyens d'analyse. Donc une fois que le projet est réalisé, il y a une transparence qui doit être faite sur la façon dont les résultats ont été obtenus. Et également une limitation, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'accéder au SNDS pour faire de la promotion de produits de santé ou pour exclure de garantie des contrats d'assurance ou modifier des primes d'assurance, typiquement. Il est également nécessaire de respecter un référentiel de sécurité qui s'applique et qui a donc été prévu par un arrêté du 22 mars 2017. En raison des évolutions récentes donc des textes, on peut s'attendre à une modification de ce référentiel pour s'adapter donc à l'état de l'art qui a également évolué.
Je vous propose un petit focus sur les conditions d'accès pour les assureurs et les laboratoires pharmaceutiques, puisque typiquement, ça peut être des structures qui peuvent être très intéressées par le développement d'algorithmes. Et donc, du coup, ces structures-là, pour s'assurer qu'elles ne vont pas poursuivre les finalités interdites, qui sont donc soit faire de la promotion de médicaments, soit ajuster les tarifs, le législateur a mis en place des sortes de garde-fous. Donc le premier, c'est soit passer par un bureau d'études ou laboratoire de recherche indépendant. Typiquement, donc, Nicolas Glad de Clinitix, qui s'exprimera juste après moi, fait partie de cette structure, donc des laboratoires de recherche bureau d'études, qui donc doivent déclarer qu'ils sont conformes à un référentiel qui encadre du coup certains aspects de l'activité de ces structures, qui donc vont faire tampon en fait entre le responsable de traitement et la base de données, afin de garantir que le responsable de traitement, donc par exemple le laboratoire, n'aura pas un accès direct aux données, mais du coup il donnera les consignes au laboratoire qui lui fera l'analyse. L'autre possibilité, c'est pour l'assureur ou le laboratoire d'accéder directement aux données, mais dans ce cas-là, il sera nécessaire qu'il prouve qu'il ne va pas poursuivre les finalités interdites. Typiquement, je crois que, j'ai une seule structure qui a réussi à prouver cela, c'est la société Implicity, qui est un des projets pilotes de la plateforme des données de santé, qui a voulu développer un algorithme sur l'insuffisance cardiaque, et donc avec un accès direct aux données du SNDS, mais par l'intermédiaire de la plateforme des données de santé. Donc voici un résumé de la procédure actuelle quand on veut accéder aux données à des fins de recherche. Donc on voit qu'il y a un dépôt de dossier auprès de la plateforme des données de santé, ensuite un passage par un comité, et ensuite un passage à la CNIL. Ça, c'est également une procédure qui doit être respectée quand on accède à des bases de données d'hôpitaux ou des bases de données préexistantes. Fort heureusement, il existe des simplifications, des procédures simplifiées, donc telles qu'étaient mentionnées par M. Berthaud et M. Pomerol, qui donc ont permis notamment la réalisation du Data Challenge, donc la méthodologie de référence. C'est en fait un document qui est publié par la CNIL, et on en a 6 aujourd'hui, qui permet en fait à un responsable de traitement, en fonction du traitement qu'il souhaite mettre en place, s'il est conforme à l'une des méthodologies de référence, il se déclare comme étant conforme sur le site de la CNIL, et quand il est conforme à soit la méthodologie de référence 004, 005 ou 006, il déclare également son étude sur le site du Health Data Hub. La MR004, c'est donc une procédure qui permet de plus facilement réutiliser les données de santé, notamment en s'économisant le processus administratif qu'on a détaillé. Et donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de procédures, de projets qui sont liés à l'intelligence artificielle qui réutilisent ce projet-là. Les décisions uniques sont également des possibilités. C'est donc ce qui permet à une structure d'être autorisée en une fois à faire plusieurs fois le même traitement, donc pour les mêmes finalités, les mêmes destinataires et les mêmes données. Donc dans ce cas-là, il y a le processus Health Data Hub CRS CNIL qui doit être respecté. Et il est possible d'être autorisé, par exemple, pour plusieurs années à faire le même traitement. Donc ça permet de ne faire qu'une seule fois le processus administratif. Ensuite, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon courante, donc une fois qu'on sort de la partie recherche, mais qu'on est vraiment dans l'application, dans le cadre des soins, par exemple, on pourrait imaginer que cette utilisation-là est conforme à, du coup, la pratique de la médecine, et donc conforme à la combinaison des articles 44 et 65 de la loi Informatique et Liberté, qui permettra typiquement à un médecin de ne pas avoir à faire de formalité, mais de considérer que l'usage d'une intelligence artificielle dans le cadre de sa pratique s'inscrit donc dans ces objectifs-là, et donc ne pas faire l'objet d'une formalité auprès de la CNIL. Et donc voilà, je pense qu'on a vu que la CNIL avait fait pas mal d'efforts et qu'il y a des possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle qui du coup sont voilà, enfin le qui montre que c'est quand même quelque chose qui est possible. Merci Adèle, et j'ai oublié de préciser que vous venez de soutenir une thèse sur le big data en santé. Je vais laisser la parole à Nicolas Glad, qui est directeur général de Clinitix, pour nous expliquer peut-être ce que fait sa société, enfin, quel type de service elle fournit, quel type de solution de collecte des données, et puis pour nous donner un exemple concret. Bonsoir, merci pour cette invitation.
Donc l'INITIC, c'est un bureau d'études, comme vient de l'expliquer Madame Lutin. Donc c'est une société qui met en œuvre des projets de recherche pour le compte d'industriels de l'écosystème de la santé, donc des fabricants de dispositifs médicaux, des laboratoires pharmaceutiques, ou alors qui travaillent avec des académiques et des sociétés savantes. Donc nous sommes d'assez gros consommateurs de données, puisque on remet finalement un algorithme ou un rapport d'analyse statistique à notre client final, que ce soit à des fins de meilleure connaissance du système de soins, d'évaluation d'un nouveau dispositif innovant ou d'une nouvelle molécule. Donc le petit exemple dont nous sommes partis ce soir est un exemple d'usage du système national de données de santé que Madame Lutin vient de décrire. Et c'est un projet de développement d'un algorithme de machine learning, projet qui a été initié par la Société française de cardiologie et notamment l'équipe qui s'occupe de l'insuffisance cardiaque. La Société française de cardiologie a un besoin important de données épidémiologiques pour émettre notamment des recommandations auprès de ses pairs et souhaitait disposer de données épidémiologiques sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et la fraction d'éjection réduite, c'est une donnée qui est absente du système national de données de santé. Globalement, quand on est insuffisant cardiaque, on peut être... Il y a trois classes. La fraction d'éjection du ventricule gauche est réduite, classe 1, modérément réduite, classe 2, ou préservée, classe 3. Ça, c'est la classification internationale, en tout cas européenne, de l'insuffisance cardiaque. Et dans le système national de données de santé, on va retrouver une codification qui s'appuie sur la classification internationale des maladies et qui, jusqu'en 2019, nous indique si le patient est insuffisant cardiaque, mais n'indique pas la classe de l'insuffisance cardiaque dont il souffre. Donc la Société française de cardiologie nous a demandé comment est-ce qu'éventuellement on pouvait, à partir du SNDS, dans le SNDS, identifier les patients à fraction d'éjection réduite. Le meilleur moyen qu'on a identifié pour pallier ces carences, c'est de développer un algorithme de machine learning qui, à partir des données de trajectoire de soins du SNDS, allait être capable de prédire si le patient présentait les caractéristiques en termes de parcours de soins d'un patient à fraction d'éjection réduite ou plutôt d'une autre forme de l'insuffisance cardiaque. Comme l'a expliqué M. Pomerol, toutes ces méthodes d'apprentissage de machine learning sont basées sur des apprentissages statistiques. Bon, pour entraîner l'algorithme et générer le modèle, la première étape est la constitution d'une base d'entraînement, d'apprentissage et de validation sur laquelle l'algorithme va être entraîné. La Société française disposait d'un registre national de l'insuffisance cardiaque dans lequel quelques milliers de patients étaient inclus. Et il a été demandé, dans le cadre d'un projet de recherche, d'appareiller cette source de données au système national de données de santé. L'appareillement étant le fait de lier chaque patient inclus dans le registre FRESH avec les données dont dispose la CNAM sur eux. Donc finalement, j'ai un patient dans FRESH, je dois trouver en face un patient dans le système national de données de santé pour avoir à la fin une information et une trajectoire de soins complète qui soit issue des deux sources. Cette source de données d'apprentissage a également été enrichie de quelques données qui provenaient de l'open source afin d'obtenir au final une base de données qu'on appelle labellisée. Donc là, on est dans le cas où j'apprends à la machine ce que c'est qu'un chat, ce que c'est qu'un poisson, et puis je l'entraîne sur un sous-groupe de la base de données, le label étant chat ou poisson. Et une fois qu'elle a appris sur un pourcentage de la base de données, je vais relancer l'algorithme et puis je vais voir s'il classe correctement les patients sur lesquels on lui cache le label. Une fois que cette base de données est construite, un travail que je pense que M. Pomerol ou d'autres intervenants expliqueraient beaucoup mieux que moi, de collaboration avec les médecins. Donc ils identifient au départ un certain nombre de variables qui leur semblent pertinentes pour développer un modèle prédictif de ce type. Ils identifient beaucoup trop de variables. Du coup, on travaille à identifier les variables qui sont les plus pertinentes pour avoir le meilleur ratio entre le nombre de variables d'entrée et la qualité, les performances du modèle de sortie.
Donc ce process est un processus assez long qui, dans le cas que nous évoquons ici, a permis d'identifier 15 descripteurs finaux sur lesquels s'appuie le modèle aujourd'hui. Une fois que ce modèle a été développé, il a donc fallu relancer un second projet de recherche, qui visait à demander une extraction beaucoup plus large du système national de données de santé pour pouvoir exécuter l'algorithme et isoler la population qui intéressait la SFC après que l'algorithme ait été exécuté. Pour se rendre compte de la problématique d'accès aux données pour un projet de ce type-là, un petit résumé au final. La constitution de la base de données fraîche a débuté en 2012. Donc j'imagine que avant cette période-là, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été menées pour construire cette cohorte. En 2019, la Société française de cardiologie souhaite appareiller cette cohorte au système national de données de santé. Elle obtient les données en mai 2020. L'algorithme finit par être validé par son comité scientifique en juin, je crois, 2021. Et en parallèle de cette validation, l'autre protocole avait été lancé, soumis en mars 2020, et les données récupérées en mai 2021 pour des résultats qui sont prévus en janvier 2022. Donc le temps d'accès aux données, qui est critique pour nous, critique pour un projet de ce type-là, est finalement beaucoup plus long que le projet de développement lui-même. Merci. Merci de cette présentation. Je vais peut-être commencer rapidement par une question. Vous décrivez la longueur du process. Quelle serait, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer tout ce process d'accès aux données? Est-ce qu'il faut changer la loi? Est-ce qu'il y a vraiment un problème en France d'accès aux données de santé, comme on le dit continuellement? Quelle est votre expérience sur le sujet? Il est certain qu'on souffre un petit peu des délais d'accès aux données. En ce qui nous concerne, la loi prévoit tous ces projets d'appariement impose un cheminement qui est connu, qui est extrêmement bien balisé, qui est raisonnablement sans surprise. On passe au CESRES. Une fois que le CESRES nous a dit oui, on adresse le dossier à la CNIL. Et une fois que la CNIL nous a dit oui, et on réadresse le dossier à la CNAM, qui va s'occuper d'extraire les données et de conventionner avec nous. Le process est globalement assez long. Après, je ne sais pas sur quelle corde il faudrait tirer, mais il est sûr qu'on a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans l'autorisation et la délivrance des données, et que cette multiplication d'acteurs est probablement le vrai problème. Et par rapport peut-être à l'expérience de pays étrangers, puisque le rapport Botorel nous dit qu'on travaille avec des systèmes faits à partir de données chinoises qui sont moins bonnes que les nôtres, mais qui sont plus accessibles, est-ce qu'il y a des pays proches de nous, de l'Union européenne, qui permettent un accès plus facile? Je crois que le rapport, je ne sais plus, Villani ou Botorel citait l'exemple de la Grande-Bretagne, notamment. Alors la Grande-Bretagne a un système un peu comme le SNDS, qui est quasiment au commerce libre. Donc effectivement, les moyens d'accès, ils sont probablement plus faciles. Je n'ai néanmoins aucune expérience. Je vous remercie. On reviendra peut-être sur ces questions d'accès aux données. On va passer maintenant à la deuxième table ronde sur la question de la responsabilité. S'agissant de l'utilisation d'algorithmes, en laissant d'abord la parole à Philippe Berthaud sur son expérience d'utilisation de ces technologies, de ces systèmes pour établir un diagnostic ou dans d'autres domaines éventuellement, et des conséquences que ça pourrait avoir sur la responsabilité du médecin. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, je vais, avant de vous parler un tout petit peu d'intelligence artificielle dans mon métier, je voudrais d'abord vous parler de mon métier tout seul, parce qu'on l'exerce depuis bien longtemps, ce métier, sans intelligence artificielle. Le concept est assez récent. Donc, ce métier, ça consiste à étudier les prélèvements qui sont faits chez les patients, les prélèvements de tissus ou de cellules.
Et vous avez sur cette diapositive un exemple de lésions mammaires. J'aurais pu prendre des lésions venant d'un peu n'importe où. Vous savez que la première démarche, quand on a une lésion, ou quand on a palpé quelque chose éventuellement, ou quand on a dépisté quelque chose radiologiquement, c'est de faire une mammographie, éventuellement échographie. Donc si ça avait été un radiologue qui était là ce soir, il vous aurait parlé de son métier. Moi, je vais vous parler de la suite. Au-delà de la mammographie, si on pense que c'est quand même suspect, on va faire des biopsies. Donc on va prélever un petit morceau de tissu qui va mener à un examen au microscope. C'est ça mon métier, le métier des anatomopathologistes en France. Et on va faire un diagnostic qui sera en général confirmé sur la pièce opératoire s'il y a besoin d'opérer la patiente en l'occurrence. Alors, pour faire le diagnostic, donc, on part de cette lame qui est au centre de la diapositive, qui est finalement une sorte d'image. Alors, c'est une image qui, au début, est strictement analogique, elle n'est pas du tout numérisée, c'est du tissu entre une lame et une lamelle, et on met ça sur un microscope. Comme quand on était au collège ou au lycée, on a regardé dans des microscopes. Eh bien, c'est des microscopes beaucoup plus sophistiqués, mais ça reste des outils strictement analogiques. Et encore à l'heure actuelle, l'essentiel des diagnostics sur Terre se font avec des microscopes de ce type. Mais évidemment, c'est en train de bouger énormément. Et donc, cette image qu'on regarde au microscope, elle rentre dans les yeux d'un anatomopathologiste, et aussi dans son cerveau, bien sûr, et ça va générer un diagnostic. Diagnostic qui va conduire à un compte-rendu qui parfois est le J1 ou le J0 de la prise en charge d'une maladie longue éventuellement. Et c'est vrai que le diagnostic de cancer passe systématiquement dans nos mains. Alors sur la diapositive suivante, on voit apparaître un élément supplémentaire, un élément qui est en bas à droite, c'est ce qu'on appelle les scanners de lames. C'est-à-dire que ces lames, depuis une quinzaine d'années maintenant, on peut aussi les numériser. Et alors avec des technologies qui se rapprochent de celles de Google Earth, Google Maps, où on a numérisé la surface de la Terre, là on numérise toute la surface d'une lame en faisant des milliers de photos à très fort grossissement et qu'on raboute sous la forme d'un gigantesque fichier d'un ou deux gigaoctets. Alors cette technologie, donc, elle existe depuis déjà assez longtemps, mais elle a été utilisée au début essentiellement pour faire de la pédagogie, ou pour faciliter le travail mutualisé de chercheurs, et aussi pour demander des avis à distance. C'est vrai que c'est quand même un outil pratique, quand, au lieu d'envoyer la lame par la poste, là on peut la numériser et demander un avis à distance. Et puis, c'est la diapositive suivante. Peu à peu, le microscope est en train de disparaître, et ça c'est un élément nouveau. Finalement, on se rend compte maintenant, les technologies évoluant, qu'une lame numérisée, c'est aussi bien qu'une lame qu'on regarde directement au microscope. Non seulement c'est aussi bien à regarder en termes de qualité, de résolution, mais ça offre évidemment une fluidité, une traçabilité, une communicabilité qui est sans commune mesure avec la situation où on regarde au microscope. Donc, depuis maintenant, on va dire, 5-6 ans, dans le monde entier, il n'y a que des labos qui commencent à se numériser en totalité pour toute leur activité diagnostique. Et même s'ils produisent 1000 ou 2000 lames par jour, elles vont être numérisées. Mais ça passe toujours par l'œil d'un anatomopathologiste. Et puis, et c'est la diapositive suivante. Depuis, on en entend parler dans nos métiers depuis 2-3 ans en gros, les réseaux de neurones arrivent, c'est leur raz-de-marée. Et du coup, ces lames numérisées ne se contentent plus de rentrer dans le cerveau du pathologiste, elles rentrent également dans le cerveau artificiel qui va triturer toutes ces données pendant que nous, on dort la nuit. L'algorithme va déjà débroussailler le travail et va nous produire un résultat, c'est la flèche rouge là, qui va être un résultat qu'il va falloir marier évidemment étroitement avec ce que le cerveau humain continue de penser de la lame qu'il a regardée. Et c'est là qu'on arrive, vous le comprenez, à la notion de responsabilité selon les usages qu'on va faire de cet apport complémentaire d'intelligence. Et donc maintenant, sur la diapositive suivante, c'est ma dernière, je vous parle de finalement, au jour d'aujourd'hui et demain ou après-demain, comment ça va probablement se passer. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qui fonctionne déjà très bien, ce sont des algorithmes qui donc screenent des lames virtuelles et qui font des comptages et des mesures. Et c'est vrai que, ne serait-ce que ça, c'est déjà
un apport incroyable pour nos yeux qui, à nous tous, fatiguons. Eh bien, là, c'est plus rapide, plus précis, plus reproductible. Donc, c'est déjà une vraie valeur ajoutée. Mais, bon, on pourrait dire, ce n'est pas vraiment de l'intelligence, c'est de l'analyse d'image. En fait, là où ça commence à devenir un petit peu plus intelligent, à mon sens, c'est quand ça nous aide, par exemple, à éviter de passer à côté de lésions extrêmement minimes, de lésions subtiles. Je vous parle en tant que pathologiste, mais les radiologues, c'est la même expérience. Quand on regarde très rapidement un scanner, on peut peut-être passer à côté de quelque chose de très subtil. L'intelligence artificielle est là pour veiller au grain. Donc ça, c'est un apport considérable en fiabilisant, en quelque sorte, la recherche de données subtiles. Ça fonctionne déjà. C'est déjà en application dans un certain nombre de laboratoires. Et puis, bientôt, et c'est ce dont nous parlait Jean-François Pomerol tout à l'heure avec les lésions du col utérin, bientôt, ces algorithmes vont nous proposer des diagnostics. C'est-à-dire que, en regardant tel ou tel pattern architectural, et là, vous avez un exemple, c'est la petite photo rose avec des espèces de structures tubuleuses, ben oui, c'est une tumeur qui forme des tubes, c'est un adénocarcinome. Et le cerveau humain reconnaît ça quasi instantanément. La machine, bientôt, fera à peu près pareil. Et peut-être, elle nous proposera aussi, parfois, un diagnostic alternatif auquel le cerveau humain aurait peut-être pu ne pas nécessairement penser systématiquement. Donc, un apport là, en termes vraiment cognitifs. Hein. Ce n'est pas encore aujourd'hui que ça fonctionne, mais c'est probablement pour demain ou après-demain, à l'échelle du monde, bien sûr. Une autre valeur ajoutée considérable de ces intelligences artificielles qu'on attend beaucoup dans nos métiers, c'est de trouver des nouvelles choses, en fait. Quand un algorithme va regarder, entre guillemets, des lames virtuelles, ou quand il regarde, entre guillemets, des radios, eh bien, il va peut-être voir, en confrontant les données les unes avec les autres, des choses, des patterns, des agencements que l'humain et le cerveau humain est incapable de reconstruire. Et donc là, on attend beaucoup. Alors, il y a peut-être pas mal d'illusions aussi, mais il y a beaucoup d'espoir de trouver de nouveaux marqueurs, des nouveaux marqueurs diagnostiques ou des nouveaux marqueurs pronostiques en faisant travailler ces cerveaux gigantesques qui vont accumuler, pour peu qu'il y ait suffisamment de données, qui vont accumuler les données de milliers, dizaines, centaines, peut-être millions de lames. Et peut-être qu'un jour, ce sera aussi fiable que certains algorithmes. Moi, je regarde assez souvent les plantes et j'utilise certains algorithmes de reconnaissance des plantes dans la nature. Eh bien, ça fonctionne vraiment. Alors, ça fonctionne sûrement beaucoup mieux que ce qui se passe encore en santé. Pourquoi ? Parce que des plantes, il y a des centaines de millions de personnes qui en photographient tous les jours dans le monde. Et ça, c'est partagé. Alors que les données de santé, c'est quand même essentiellement encore dans le domaine des établissements de santé. Et donc, ça ne se partage pas aussi facilement que ça. Donc, à l'heure actuelle, il y a finalement... on pourrait discuter en termes de responsabilité maintenant, deux scénarios, et c'est ce que discutera mon collègue Jean-Sébastien Borghetti. Il y a ce qui se passe à l'heure actuelle. Les IA, à l'heure actuelle, nous aident à faire des diagnostics, sans plus. C'est une aide. C'est-à-dire que ça m'aide à compter... Ça m'aide à probablement mieux screener des lames très nombreuses où mes yeux et mon cerveau vont se fatiguer. Donc voilà, c'est une aide, mais j'ai l'impression qu'à la fin, mon compte-rendu, quand je le signe, c'est quand même moi qui endosse la totale responsabilité. Donc ça, c'est ce qu'on va discuter. Et puis alors, demain ou après-demain, ou alors peut-être non, franchement, dans beaucoup plus longtemps, si on imagine que des IA se substituent à un humain pour faire un diagnostic de cancer... sachant quand même que là, c'est lourd quand on fait un diagnostic pareil, et avec tout ce que ça impose de conséquences. Bon, ben là, la responsabilité, effectivement, moi, je ne connais pas encore une seule IA qui est prête à assumer une telle responsabilité. Enfin, aucun constructeur d'IA n'est prêt à assumer ça. Pour l'instant, on se repose encore sur le médecin. Donc voilà, donc c'est la question de la responsabilité que Jean-Sébastien Borghetti va discuter un petit peu maintenant. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Jean-Sébastien. Il était prévu aussi que Nicolas, peut-être après, intervienne sur une responsabilité plus globale concernant les populations cibles, la transparence. Je vais peut-être laisser la parole à Nicolas, parce que c'était ce qui était prévu dans l'organisation de notre table ronde. Merci, si ça te dérange pas.
Oui, effectivement, sur la question de la responsabilité, alors c'est pas du tout la même que poser un diagnostic sur un patient ou encore avoir un vrai rôle dans le soin. Néanmoins, sur nos petites activités de recherche, l'utilisation de ces algorithmes permet d'identifier des populations cibles sur lesquelles la SFC, enfin, la Société française de cardio notamment, va émettre un certain nombre de recommandations en évaluant qu'un certain nombre de leurs pairs prennent en charge les patients comme ci ou comme ça et que ce n'est pas tout à fait le gold standard. Et on est forcément amené à se poser la question quand ces données sont traitées, sont publiées, de la véracité de la classification qui a été faite par l'algorithme. Et c'est un énorme sujet quand on travaille avec les comités scientifiques. C'est de rassurer chacun des membres du comité scientifique pour qu'il arrive à appréhender, lui, ce que fait l'algorithme d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'on est toujours obligé, nous, d'avoir des bases de départ dans lesquelles il y a un chat ou un poisson à la fin, pour reprendre l'image. C'est parce que quand il y a un chat ou un poisson, on est capable d'expliquer à un médecin, de lui faire lire les décisions que prend l'algorithme quand il classe. Alors, dans un cas comme celui qu'on a évoqué, c'est un système d'arbre de décision. Donc, on lui présente un patient. Il va dire, ce patient, est-ce qu'il a le critère A ? Oui, non. Alors, il tombe dans la case jaune. Et puis, de la case jaune, on passe à la rouge sur un système de décision comme ça, ou de critères. Donc, on est capable de les lire. L'inconvénient, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a à peu près 300 sur un projet comme celui-là, et les médecins ont été, pour certains, lire les 300 arbres de décision pour se rassurer, parce qu'ils ne faisaient pas absolument confiance à l'algorithme. Alors, sur des algos de ce type-là, c'est presque rigolo de les voir lire 250 arbres de décision. En revanche, quand on rentre sur le diagnostic, des méthodes de calcul beaucoup plus profondes, avec des vrais algos d'IA, il est difficile de rassurer le médecin aujourd'hui. Merci. Je vais donc passer la parole à Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, qui, je ne sais pas s'il va lui rassurer les médecins. Merci de cette invitation. Et je remercie également Philippe Berthoud de sa présentation très éclairante qui m'aide, en tout cas moi, comme juriste, à cerner les difficultés, les problèmes. Alors, excusez-moi, je vais reprendre le... Désolé. La conclusion de la présentation du professeur Berthaud conduit à distinguer deux hypothèses en cas de recours à l'intelligence artificielle. En tout cas, dans le cadre du diagnostic médical. Alors, il y a peut-être d'autres questions aussi qui se posent en lien avec d'autres disciplines médicales, mais en tout cas, nous allons partir de cette hypothèse. Et donc, la première hypothèse, le premier cas envisagé, c'est celui où l'intelligence artificielle est utilisée comme une aide par le médecin ou l'équipe médicale, mais ne se substitue pas au médecin ou à l'équipe médicale. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est celle d'une substitution de l'intelligence artificielle au médecin. Alors, nous avons vu, le professeur Berthaud a expliqué que nous n'en étions pas à cette deuxième hypothèse. Cela étant dit, elle pourrait arriver. Ça, c'est moi qui imagine ça en tant que profane, mais on pourrait imaginer que des gens, par exemple, proposent en ligne des diagnostics fondés sur l'IA. Alors là, je pense que les problèmes de responsabilité seraient résolus différemment, c'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais mettre la main sur les gens proposant ça, qui seraient basés sans doute dans un pays lointain et qu'on aurait beaucoup de mal à atteindre. Mais enfin, en tout cas, en théorie, on peut envisager qu'il y ait aussi une forme de médecine, je dirais, low cost, un peu, qui se développe grâce à Internet, qui poserait au moins en théorie, sinon en pratique, des questions de responsabilité. Alors, premier cas envisagé, c'est celui qui existe déjà aujourd'hui, c'est donc l'hypothèse où l'intelligence artificielle est utilisée comme une aide.
Alors, il me semble que le recours à l'intelligence artificielle comme simple aide pour le médecin ou pour l'équipe médicale est sans incidence directe sur la responsabilité du médecin, puisque c'est toujours le médecin. Enfin, c'est toujours le médecin qui, comme l'a dit le professeur Berthaud, qui signe. Donc c'est lui qui pose, alors dans le cas d'un diagnostic, qui pose son diagnostic, mais on pourrait imaginer un arbre, enfin voilà, un acte chirurgical à l'aide d'un robot animé d'une intelligence artificielle. On peut imaginer beaucoup d'hypothèses, mais à partir du moment où le médecin est toujours là, et j'allais dire vis-à-vis du patient, agit comme médecin et j'allais dire assume sa responsabilité, et ben le fait qu'il ait recours par ailleurs, enfin, pour l'accomplissement des actes médicaux à une intelligence artificielle, ne change rien. Disons que l'intelligence artificielle est un auxiliaire, j'allais dire, comme un autre. Le médecin, lorsqu'il agit, utilise très souvent des instruments. Il a éventuellement des auxiliaires humains. Bon, c'est ça. Comment dire, si l'action de ces auxiliaires, quels qu'ils soient, le conduisent à commettre une faute, il engage sa responsabilité. L'idée étant que normalement, l'intelligence artificielle, justement, devrait améliorer entre guillemets, les performances et donc réduire le nombre de fautes. Mais si, malgré, ou même à cause du, malgré le recours, ou à cause du recours à une intelligence artificielle, le médecin commet une faute, eh bien, sa responsabilité sera engagée. Il est bien évident que un médecin ne pourrait pas dire « Ah ben là, j'ai commis une erreur, une faute de diagnostic qui, en temps normal, engagerait ma responsabilité, mais en fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai commis cette faute, c'est l'intelligence à laquelle j'ai recouru, donc je n'engage pas ma responsabilité. » Voilà, il est bien évident qu'un discours comme ça ne peut pas être tenu. Et ça ressortait de toute façon de ce qu'a dit le professeur Berthaud. Il est bien évident que les médecins n'envisagent pas de s'abriter derrière le recours à l'intelligence artificielle pour échapper à une responsabilité éventuelle. Voilà. Alors, cela étant, il est bien évident que le recours à l'intelligence artificielle par les médecins, comme aide, peut avoir des conséquences juridiques, même si elle n'affecte pas directement la responsabilité du médecin ou de l'établissement médical à l'égard du patient. Alors d'abord, on peut tout à fait envisager, en cas de défaut ou de dysfonctionnement de l'intelligence artificielle à l'origine de l'engagement de la responsabilité du médecin, que le médecin ou l'établissement de santé qui a acquis ou qui utilise l'intelligence artificielle se retourne contre le producteur ou le fournisseur de l'IA. Alors, en principe, un tel recours sera gouverné par les règles du droit des contrats. Et donc, et dépendra en fait de ce que prévoit le contrat, avec là évidemment la possibilité d'inclure des clauses limitatives exclusives de responsabilité. Donc là, on bascule vraiment dans une analyse au cas par cas, sachant aussi que je pense que les recours, de manière générale, les recours en responsabilité ça peut être entre médecins et fournisseurs, d'instruments, etc. Mais ça peut être aussi, dans certains cas, en matière de responsabilité du fait des produits, on peut envisager des... En sens inverse, on pourrait envisager des recours de producteurs contre des médecins, parce que les médecins n'ont pas, par exemple, relayé aux patients toutes les informations relatives aux médicaments qu'ils ont prescrits, ce qui a conduit à l'engagement de la responsabilité du producteur. Donc il peut y avoir des hypothèses où théoriquement un recours est possible. Ensuite, il y a aussi évidemment une dimension, personnelle parfois, mais aussi politique. C'est pas un fabricant de médicaments n'a pas forcément envie d'intenter des procès à des médecins, même s'ils ont commis des fautes qui ont conduit à l'engagement de sa responsabilité, parce que c'est quand même les médecins qui prescrivent, qui prescrivent leurs médicaments. De même, on sait bien que quand on a un fournisseur exclusif, ce qui pourrait être le cas pour une IA, quand on n'a qu'une seule personne qui peut fournir le produit dont on a besoin, intenter une action en responsabilité n'est pas forcément évident. Donc là, il y a plein d'autres problématiques, je dirais, qui se greffent, mais en tout cas, en théorie, si un médecin recourt à une intelligence artificielle et que celle-ci est défaillante ou défectueuse, on peut bien sûr envisager un recours. Alors, une autre possibilité qu'il nous faut envisager, c'est celle où l'intelligence artificielle, utilisée comme une aide,
provoque un dommage, mais sans être à l'origine d'une faute médicale. Alors peut-être aurais-je dû rappeler au départ, je m'excuse, c'est d'une certaine manière tellement évident pour les juristes, mais peut-être pas pour tout le monde, peut-être aurais-je dû rappeler que le principe de base, qui est d'abord un principe jurisprudentiel, mais qui a été posé par la loi en 2002, est qu'un médecin n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute de sa part. Voilà, je l'ai dit entre les lignes jusqu'à présent, mais là je le dis clairement. Alors il y a des exceptions, mais le principe de base incontesté, incontestable sans doute, c'est celui-là. Mais on peut très bien envisager des hypothèses où, à l'occasion de l'activité du médecin, un dommage est causé au patient sans que le médecin soit en faute. Et l'hypothèse typique, alors là, qui ne concerne pas pour le coup le diagnostic, mais qu'on rencontre, y compris en jurisprudence, c'est celle où justement un matériel utilisé par le médecin est défectueux et cause un dommage au patient. Il y a un arrêt il y a quelques années qui a donné lieu en matière de responsabilité du fait des produits à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne où c'était un lit médicalisé qui avait brûlé, en fait, qui était défectueux et qui avait brûlé le patient. Bon, bah, typiquement, dans un cas comme ça, le médecin, ignorant tout du défaut du lit, n'a évidemment commis aucune faute. Il a utilisé ce matériel sans savoir qu'il pourrait causer un dommage. Mais le fait est que le produit était défaillant, défectueux éventuellement, et qu'il a causé un dommage. Et on peut tout à fait envisager ça avec une intelligence artificielle. Par exemple, je pense qu'il y a déjà des logiciels qui sont utilisés pour contrôler des cathéters, des gouttes à gouttes, des choses comme ça. Bon, c'est très facile d'imaginer que... Voilà, alors là, c'est même pas de l'intelligence artificielle, mais on peut sans difficulté transposer à l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle ou un algorithme, quel qu'il soit, qui contrôle... qui contrôle une transfusion, un goutte à goutte, défaillance de cette intelligence artificielle, dommage causé au patient. Là, il n'y a pas de faute du médecin, est-ce qu'il va devoir répondre malgré tout du défaut de l'intelligence artificielle ? Alors, je crois que là, il n'y a pas trop de questions du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'il convient d'appliquer les règles qu'on applique déjà pour les matériels médicaux. Et le fait que le matériel médical soit, entre guillemets, animé d'une intelligence artificielle est sans incidence. Alors, quelles sont ces règles ? Alors, un tout petit peu complexes, au sens où il y a plusieurs responsabilités qui peuvent s'envisager. Alors, déjà, il est évident que le producteur du matériel défectueux répond... Du défaut de ce matériel. Alors, dans la deuxième partie, je m'intéresserai quand même à la question de savoir qui est le producteur d'une IA. Est-ce que c'est si facile que ça de parler de d'engager la responsabilité du producteur d'une IA ? Mais enfin, admettons qu'on peut raisonner en termes de responsabilité du producteur de l'IA. Si c'est le cas, évidemment, le producteur de l'intelligence artificielle répond du défaut de celle-ci. Si on est dans un établissement public, alors l'établissement public répond du dommage causé par le défaut, enfin la jurisprudence parle de la défaillance des matériels utilisés, donc le cas échéant d'une intelligence artificielle. C'est l'arrêt Marzouk du Conseil d'État de 2003 et la solution dont on pouvait douter en fait de la compatibilité avec la directive européenne de 85 sur les produits défectueux a été confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc la solution a été par la suite réitérée par le Conseil d'État, et donc c'est une solution qui aujourd'hui est bien établie. Mais alors, en revanche, en matière, en dehors du secteur public, donc dans la médecine libérale, la Cour de cassation, elle, décide que le médecin ne répond pas du défaut ou de la défaillance du matériel qu'il utilise dans le cadre de son activité. Donc si on raisonne sur l'hypothèse d'une intelligence artificielle, dans le secteur public, l'hôpital devrait répondre de la défaillance d'une intelligence artificielle à laquelle il recourt, même lorsque celle-ci a causé un dommage sans que cela passe, je dirais, par l'intermédiaire d'une faute du médecin. En revanche, dans le secteur libéral, il n'y aurait pas de faute. Il n'y aurait pas de responsabilité du médecin ou de l'établissement de santé privé en cas de défaillance d'une IA à laquelle recourt le médecin, en l'absence de faute de sa part.
Voilà, sachant, c'est un dernier point qu'il faut ajouter, c'est que dans un cas comme ça, on peut, enfin, il n'y a pas que la responsabilité qui joue, il y a notamment le régime d'indemnisation des accidents médicaux, et on peut envisager à ce moment-là d'appliquer le régime d'indemnisation des accidents médicaux prévu par le Code de la santé publique. Alors je passe maintenant à la deuxième hypothèse envisagée. Là, on bascule dans le, je ne veux pas dire dans la fiction, mais dans la prospective. C'est celle où l'intelligence artificielle serait utilisée comme, enfin, prendrait la place du médecin et se substituerait au médecin. Et donc, on aurait une intelligence artificielle qui poserait un acte médical sans qu'intervienne le médecin et sans que le médecin, je dirais, reprenne à son compte ou assume les conséquences de cet acte ou assume tout simplement cet acte médical. Alors, ça soulève au moins deux ordres de questions. La première, c'est de savoir qui doit répondre du fait dommageable de l'intelligence artificielle si ce fait dommageable est de nature à engager une responsabilité. Et puis, la deuxième, c'est de savoir mais comment caractériser le fait générateur de cette responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher la responsabilité de l'intelligence artificielle. Quand il s'agit d'un médecin, c'est la faute, mais est-ce qu'on peut parler d'une faute de l'intelligence artificielle? Ce n'est pas évident. Donc il y a ces deux questions. La première question, c'est celle, on pourrait dire, de l'imputation. Qui doit répondre du fait dommageable d'une intelligence artificielle indépendante? Je commence par cette question. C'est un peu la poule et l'œuf, on pourrait discuter, mais parce que c'est la plus simple aussi. La deuxième est, à mon sens, plus complexe. Alors, depuis que les juristes s'intéressent plus à l'intelligence artificielle, ça fait maintenant quelques années, il y a une idée qui revient régulièrement qui serait. Pour répondre à l'autonomie de l'intelligence artificielle, ça serait d'attribuer à l'intelligence artificielle la personnalité juridique. Donc l'intelligence artificielle serait une personne, enfin au sens du droit, pas évidemment au sens de la nature, mais au sens du droit, serait une personne. Et donc c'est l'intelligence artificielle elle-même qui devrait répondre des dommages qu'elle pourrait causer. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette idée qui est un côté amusant, mais qui, je crois, n'est pas très réaliste et surtout, à mon avis, n'apporte rien, parce que c'est bien d'avoir un responsable, mais l'intérêt d'avoir un responsable en cas de dommage causé, c'est que celui-ci puisse réparer le dommage. Donc, il faut qu'il ait un patrimoine. Donc, dire qu'une intelligence artificielle a la personnalité juridique et donc est une personne, c'est très bien, mais... c'est pas ça qui va remplir son portefeuille. Donc, si on a une personne juridique en théorie, on a un patrimoine, mais si ce patrimoine est égal à zéro, on ne réparera rien. Donc, si on ne veut pas que la personnalité juridique des robots, pour faire simple, se transforme en manière de berner les patients, il faut conférer à ces intelligences artificielles un patrimoine. Et en fait, on revient à la question. La question devient qui doit fournir le patrimoine au robot. En fait, on revient à la question de départ, c'est-à-dire qui répond du fait de l'intelligence artificielle ou du robot. Donc, c'est pas la peine de faire un détour par la personnalité juridique des robots. Il faut se demander, qui est-ce qui doit assumer le risque lié à l'utilisation d'une intelligence artificielle. On peut estimer que celui qui choisit de faire fonctionner une intelligence artificielle de manière justement indépendante en matière médicale doit en assumer le risque. C'est-à-dire qu'il y a bien quand même quelqu'un à un moment qui utilise cette intelligence artificielle et qui propose aux patients d'être pris en charge par une intelligence artificielle plutôt que par un médecin en chair et en os. Donc il paraît assez naturel dans le contexte médical que ce soit cette personne-là qui assume la responsabilité liée à un problème éventuel de cette intelligence artificielle, étant précisé que ça n'exclut pas aussi éventuellement une responsabilité du producteur de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, une responsabilité de celui qui choisit de recourir, je dirais, à l'intelligence artificielle. Alors, ensuite, quel est le fondement exact de cette responsabilité? Si on est dans un rapport contractuel, c'est assez simple. C'est-à-dire que si moi je passe un contrat avec une société qui me dit vous allez être soigné par une intelligence artificielle,
Si quelque chose se passe mal avec l'intelligence artificielle, j'ai un contrat avec la société. Donc, en fait, c'est sur la base du contrat que la question de responsabilité va se régler. Mais en l'absence de rapport contractuel, à ce moment-là, il faudrait une responsabilité délictuelle du fait de l'intelligence artificielle. Alors, on pourrait poser la question de savoir si cette responsabilité pourrait se couler dans le moule d'une des responsabilités qui existent aujourd'hui, alors responsabilité du fait des choses, par exemple. Bon, ça pose quelques questions techniques, mais enfin, je pense qu'on c'est pas très compliqué, en tout cas, d'aboutir à une responsabilité délictuelle du fait de l'intelligence artificielle. Je pense pas qu'il y ait là de très gros problèmes. Une question plus délicate, à mon sens, c'est en fait la deuxième question que j'ai évoquée au départ, c'est de savoir comment caractériser un fait générateur de responsabilité imputable à une IA, puisque le principe, c'est que en droit français, comme dans les autres systèmes juridiques, on ne répond pas de tout fait dommageable. Le simple fait que survienne un dommage ne veut pas dire ipso facto qu'une responsabilité doit s'en suivre. Il y a plein de dommages qui sont causés dans le cours de l'existence qui ne donnent pas lieu à responsabilité. Donc, pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un fait générateur de responsabilité, donc un événement en général défini par la loi, enfin plus ou moins précisément, mais qui présente, on va dire, un certain degré d'anormalité et qui justifie que la charge du dommage soit transférée de celui qui l'a subi à une autre personne à qui on va justement imputer ce fait générateur de responsabilité. Alors, comme je l'ai dit, le fait générateur ordinaire de la responsabilité médicale, c'est la faute. Voilà. Mais quand on a affaire non plus à un médecin, mais à une intelligence artificielle, est-ce qu'on peut parler de faute ? Alors, sans rentrer dans des considérations philosophiques sur, le lien entre la faute et peut-être la conscience humaine, la dimension morale de la faute, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que la faute, s'apprécie en principe à travers une comparaison. Apprécier une faute, c'est comparer un comportement donné à un comportement type standard ou de référence. Mais typiquement, en matière médicale, si on s'interroge sur l'existence d'une faute du médecin, on va comparer le comportement du médecin dans le cas envisagé à un comportement conforme aux données acquises de la science, pour reprendre les termes de l'arrêt Mercier de 1936. Donc la faute, fondamentalement, c'est une comparaison. Mais alors, si on prend l'intelligence artificielle, à qui comparer ? Si on raisonne sur la faute, on pourrait être tenté de dire on va comparer en fait ce qu'a fait l'intelligence artificielle à ce qu'aurait fait un bon médecin. Voilà. Si l'intelligence artificielle a fait comme un bon médecin, on peut pas, y a rien à dire. Et puis si elle n'a pas fait comme aurait fait un bon médecin, à ce moment-là, on va dire qu'il y a une faute. Alors on peut appeler ça différemment, mais qu'il y a une responsabilité. Mais si on fait ça, on risque de... Comment dire ? L'idée, c'est quand même que l'intelligence artificielle, elle fasse mieux que l'homme. Si un jour on en arrive à substituer l'intelligence artificielle à l'homme, c'est parce qu'on estime qu'elle fera mieux statistiquement, en règle générale, que l'homme. Et donc, si on subordonne la responsabilité de l'intelligence artificielle à ce qu'elle fasse moins bien que l'homme, il n'y aura jamais de responsabilité de l'intelligence artificielle. Alors, on pourrait dire que c'est pas très grave, parce que si effectivement le recours à l'intelligence artificielle permet d'améliorer les performances, et même s'il y a toujours des dommages, globalement la société est gagnante. Donc même si on ne peut pas engager la responsabilité de l'intelligence artificielle lorsqu'un de ces dommages survient, le bilan, je dirais, le bénéfice global pour la société est là. Donc on pourrait adopter cette approche, mais en même temps, il y aura peut-être des bonnes et des mauvaises intelligences artificielles, et les gens qui seront, entre guillemets, victimes, notamment des mauvaises, ne sont peut-être pas prêts à accepter qu'on leur dise écoutez, vous avez eu affaire à une mauvaise intelligence artificielle, mais vous avez de la chance, parce qu'il y a 20 ans, vous auriez eu affaire à un médecin humain, et il aurait peut-être été encore moins bon. Voilà, donc ça, c'est pas vraiment un raisonnement, je crois, très convaincant. Donc, ça serait assez logique de comparer les IA entre elles. Voilà. Mais c'est pas. Alors là, j'arrive un peu à la limite de mes compétences, mais. C'est pas évident, me semble-t-il, de comparer les intelligences artificielles entre elles. Pourquoi ? Parce que, quand on,
Quand on apprécie la faute d'une personne, on va regarder dans ce cas-là, qu'est-ce qu'aurait fait un bon médecin. Voilà, on va comparer ce qu'a fait le médecin dont on soupçonne ou dont on prétend qu'il a fait une faute, à ce qu'aurait fait un bon médecin dans les mêmes circonstances. On peut évidemment faire ça pour l'intelligence artificielle, mais d'après ce que je comprends des modes justement de fonctionnement de l'intelligence artificielle qui ont été un peu évoqués au départ, on peut avoir peut-être une très bonne intelligence artificielle qui a des résultats exceptionnels, mais qui, voilà, dans un cas, par exemple, si je prends un diagnostic, va faire un mauvais diagnostic, mais qui, dans 10 autres cas où d'autres intelligences artificielles font des mauvais diagnostics, fera un bon diagnostic. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une intelligence artificielle a fait un mauvais diagnostic dans une hypothèse... Enfin, je suppose que c'est pas parce qu'une intelligence artificielle ferait un mauvais diagnostic dans une hypothèse où une autre intelligence artificielle aurait fait un bon diagnostic que cette première intelligence artificielle est moins bonne que la seconde. Il se pourrait en fait qu'elle ait des performances globales qui sont supérieures, mais simplement dans ce cas-là, elle était moins bien. Donc est-ce qu'on pourra, dans un cas comme ça, est-ce qu'il faut raisonner sur le résultat dans ce cas donné, ou est-ce qu'il faut raisonner sur la performance globale de l'intelligence artificielle ? Le plus logique serait peut-être de raisonner sur la performance globale de l'intelligence artificielle. Mais ça pose alors là d'autres questions qui sont difficiles. Alors, d'abord, comment connaître la performance globale de l'intelligence artificielle ? Parce que là, il y a des questions d'accès aux données aussi. Et on imagine que les concepteurs d'IA ne seront pas forcément très coopératifs sur ces questions. Et puis, comment est-ce qu'on décide ce que c'est qu'une bonne intelligence artificielle ? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une intelligence artificielle a des résultats globaux moins bons qu'une autre intelligence artificielle qu'elle est forcément défectueuse. Donc il faudrait savoir, s'il y a une intelligence artificielle de référence, ensuite c'est quoi ? L'intelligence artificielle défectueuse, c'est celle qui fait quoi ? 10% moins bien, 20% moins bien, 30% moins bien ? Donc voilà, c'est pas évident de concevoir, me semble-t-il, le défaut de l'intelligence artificielle ou la faute de l'intelligence artificielle. Si on creuse un peu, en tout cas, l'état actuel des choses, ça pose pas mal de questions. Alors, a priori, on a encore un peu de temps pour y réfléchir, mais ça pose des questions. Alors, une manière d'éviter ces problèmes, ce serait surtout si ça permet d'améliorer les résultats, de limiter les erreurs qui aujourd'hui sont des erreurs non fautives, mais qui peuvent arriver. Ça serait de passer, en tout cas dans certains cas, on pourrait peut-être envisager ça pour le diagnostic, si vraiment l'intelligence artificielle fait mieux que l'homme, à passer à une responsabilité fondée non plus sur la faute, mais sur les résultats dommageables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas sur les questions complexes, la jurisprudence est assez claire, c'est pas parce qu'on pose un diagnostic erroné qu'on est forcément en faute. Un médecin peut se tromper dans son diagnostic sans commettre une faute et sans engager sa responsabilité. Si demain ou après-demain, de médecins humains, on a des intelligences artificielles qui font mieux que les humains et qui donc, en fait, commettent très peu d'erreurs, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager à ce moment-là d'avoir une responsabilité sans faute de l'intelligence artificielle et de dire le diagnostic erroné engage la responsabilité de celui qui a recouru à l'intelligence artificielle. Ça serait une forme de socialisation du risque, mais qui serait, si vraiment les performances de l'intelligence artificielle sont bonnes, serait peut-être économiquement tout à fait viable et aurait le mérite de rassurer aussi les utilisateurs. Voilà. Donc on peut envisager ça. En tout cas dans les domaines où le taux d'échec est relativement réduit, ce qui serait peut-être le cas par exemple en cas de diagnostic avec des intelligences artificielles très performantes. Alors, son application à d'autres domaines est peut-être quand même moins évidente, parce que pour le diagnostic, on peut peut-être espérer arriver à des performances vraiment très très bonnes. Est-ce que ça sera dans le cas dans tous les domaines de la médecine ? Là, il faudrait, je pense, échanger avec d'autres médecins, voir étudier plus en détail les différentes spécialités pour voir si une telle option est envisageable. Mais en tout cas, si vraiment, dans certains domaines de la médecine, si vraiment l'intelligence artificielle permet d'améliorer les performances et de faire qu'il y a très peu, très peu d'accidents médicaux, à ce moment-là, on pourrait envisager peut-être de passer à une responsabilité sans faute.
Et voilà, excusez-moi, ça, c'était plus moi. Merci de ces explications limpides. Comme on a un peu de temps et qu'on n'a pas du tout de questions dans le chat pour le moment, j'aimerais revenir sur un point qu'on n'a pas abordé, mais qui rejoint les questions posées par Jean-Sébastien de la place de l'homme. La question des garanties un peu en amont face à l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Et là-dessus, j'ai des slides qui viennent en principe après. Voilà. Donc la question en fait que j'ai appelée la question de la régulation des algorithmes, mais qui est peut-être pas, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut la nommer, mais en tout cas une question qui a été envisagée par le législateur dans la loi relative à la bioéthique et dans son article 17 en particulier. Comme je l'ai dit, il y a eu énormément de rapports, d'avis qui ont été rendus sur l'intelligence artificielle en santé. Le rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins en 2018 faisait un certain nombre de propositions, mais c'est surtout un des avis du Comité consultatif national d'éthique qui réfléchissait aux questions que peuvent poser l'intervention on peut s'intéresser spécifiquement au diagnostic, même s'il y a sans doute d'autres domaines possibles, mais dans le cadre du diagnostic, de l'utilisation de l'IA en santé, avec deux garanties. D'abord, la garantie d'une information du patient, qui est quand même un premier élément. Alors, certains voulaient que ce soit un consentement, garantir un consentement, que le patient consente à l'utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre d'un diagnostic ou d'un acte de prévention ou de soins. Finalement, le projet d'article de la loi bioéthique s'est limité à une information. Alors, il n'était pas rédigé. Alors, tel qu'il résulte de la loi qui a été votée, le champ d'application de l'article a été beaucoup restreint, en fait, au fur et à mesure, un peu étrangement. C'est-à-dire qu'il est précisé aujourd'hui que le professionnel de santé qui décide d'utiliser pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soins un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives, s'assure que la personne concernée en a été informée, qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte. Donc on voit que ça se limite à l'hypothèse de l'utilisation d'un dispositif médical, alors même qu'à l'origine, c'était pour tout acte de prévention, de diagnostic et de soins. Donc le champ d'application de l'information, il a été très restreint. Alors peut-être qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IA en santé n'intervient que dans le cadre de dispositifs médicaux, mais je crois que ce n'est pas le cas, à mon sens. Donc, en tout cas, une information restreinte. Il n'y a pas de droit d'opposition du patient. Les professionnels de santé concernés sont aussi informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles. Et les concepteurs de ce traitement algorithmique s'assurent de l'explicabilité et de son fonctionnement pour les utilisateurs. C'est une autre garantie importante. Donc on a cette idée d'une information qui est une information qui est quand même pas si générale que ça et qui a été restreinte par rapport à ce qui était prévu à l'origine. On a aussi l'idée de l'explicabilité du fonctionnement pour les utilisateurs, ce qui est une garantie fondamentale quand on parle de l'éthique des algorithmes. On avait aussi à l'origine dans l'avis du CCNE le principe fondamental d'une garantie humaine du numérique en santé au niveau législatif. Le Conseil proposait que cette garantie soit assurée par l'aménagement d'une capacité d'exercice d'un deuxième regard médical humain à la demande du patient ou d'un professionnel de santé, par la reconnaissance de la nécessité de préserver la maîtrise finale du professionnel de santé en interaction avec le patient pour prendre des décisions appropriées en fonction de chaque situation spécifique. Donc voilà, c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de déclarations, cette idée d'une garantie humaine de l'IA, que l'IA n'aura un impact positif que si il y a toujours un médecin associé, par exemple, au diagnostic. Donc ça,
c'est une garantie très forte qui était souhaitée. Alors peut-être qu'en l'état actuel de l'utilisation de l'IA, ça n'était pas, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, ça me permet, moi, de revenir sur le domaine que je connais le mieux, qui est le domaine de la protection des données, dans lequel on a, depuis le début, l'idée que ce n'est pas la machine qui prend la décision. C'est-à-dire que depuis la loi depuis la loi du 6 janvier 1978, un des premiers articles, alors ce n'était pas de l'intelligence artificielle, hein, mais vous dit, la machine ne prend pas la décision, c'est l'être humain qui prend la décision. C'est vraiment une garantie fondamentale. Dans tous les domaines. La difficulté, c'est que dans le RGPD, enfin, ça a été repris dans la directive 95-46 plus dans la, et dans la loi de 2004 dans son article 10, c'est repris dans l'article 22, l'idée que la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Donc ça, c'est un article du RGPD. Il y a des dérogations qui sont le consentement, la nécessité contractuelle et les droits de l'Union ou de l'État membre qui peuvent prévoir des dérogations. Toutes ces dérogations doivent prévoir aussi des garanties appropriées. Et la difficulté qu'on a dans l'application de cette disposition et à laquelle fait écho l'obligation d'information, quand vous avez une prise de décision automatisée, vous avez forcément une obligation d'information sur la logique sous-jacente du traitement, à la fois dans la collecte directe, c'est l'article 13, et dans la collecte indirecte, c'est l'article 14. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de décision automatisée. Et que, et peut-être, je ne suis pas sûre qu'on arrive à cette situation dans le domaine médical, mais que ce n'est pas parce que, enfin, un être humain valide la décision prise par la machine de manière systématique que c'est l'être humain qui prend la décision. Et c'est vrai que cet article 22, comme antérieurement l'article 10 de la loi informatique et liberté, il n'a pas une effectivité très forte parce que c'est assez facile de sortir de son champ d'application, c'est-à-dire que c'est assez facile de dire non, ce n'est pas la machine qui a pris les décisions, en fait, c'est l'être humain qui a pris une décision. Et on voit par exemple en matière de scoring, qui est un domaine différent de crédit, vous avez des algorithmes qui vous permettent, quand vous êtes banquier, de prévoir si une personne qui vous demande un crédit va être défaillant ou non. Et donc, bon, il y a une exception de nécessité contractuelle là, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les banquiers peuvent vous dire aussi assez souvent, même si la machine nous indique que le score n'est pas bon, c'est toujours un être humain qui va valider le dossier, qui va appuyer sur oui pour valider le dossier de la machine. Et on peut se demander si l'évolution de la médecine, enfin peut-être que le professeur Philippe Berthaud aura une idée là-dessus, mais enfin, s'il n'y a pas un risque qu'il y ait cette évolution-là et que chez les médecins il y ait une validation systématique du diagnostic posé par l'intelligence artificielle, même si il est considéré comme uniquement comme une aide à la décision et pas comme ce qui va décider de la décision au fond. Est-ce que les médecins ne suivront pas systématiquement, quand on examine des lames, ce que leur indiquera l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils n'auront pas peur d'encourir une responsabilité s'ils s'éloignent de ce que leur dit la machine? Voilà, ça c'est une question il me semble qu'il peut se poser, et c'est pour ça que on essaye de mettre en place cette garantie humaine de l'IA dans le domaine de la santé, mais sans savoir tellement comment faire, parce que parce qu'il y aura toujours, alors peut-être si on parle des déserts médicaux ou d'endroits où peut-être qu'on n'aura plus de médecins, donc dans ce cas-là la question se posera pas, mais on a quand même toujours l'impression qu'il y aura un médecin au bout de la chaîne, mais que la distance qu'il pourra prendre par rapport au système qui lui dit quelque chose ne sera pas forcément très grande. Est-ce que je peux avoir l'avis d'un médecin sur ce sujet, professeur Berthaud? Moi, j'ai l'impression que tant que l'IA et le médecin auront accès aux mêmes données, on reprochera toujours au médecin de ne pas lui-même avoir regardé les données si l'IA a défailli, quoi. Enfin, par exemple, je vais prendre une autre comparaison, les collègues qui font de la biologie,
dans un certain nombre de situations, se retrouvent en fait à valider des résultats qui ont été produits par des automates. Quelque part, ils font une totale confiance à l'automate. Alors non, ils ne font pas une totale confiance, ils le valident, ils le contrôlent régulièrement, ils font des tests, des témoins, etc. Mais pour un patient donné, le résultat produit par l'automate, il n'y a aucun moyen pour l'humain, en regardant la machine, de se dire « je suis sûr du résultat ». Il fait confiance à la machine, machine qui a été calibrée très sévèrement dans le cadre des procédés d'accréditation, etc., les contrôles COFRAC. Donc je crois qu'il y a... Alors, il y a aussi un autre sujet. Quand j'entendais, je vous entendais tout à l'heure parler de les bonnes IA, les mauvaises IA, on pourrait dire ça aussi, des bons médecins, des mauvais médecins. Je pense qu'un bon médecin, ce n'est pas un médecin excellent partout, toujours. Ça n'existe pas. C'est un médecin qui connaît ses limites et qui, à un moment donné, saura faire appel à un collègue, à plusieurs collègues, à un comité d'experts, à donc ce qu'on appelle les groupes de relecture, etc. Et en vous écoutant, je me disais, mais pourquoi les IA, ce ne serait pas pareil? Pourquoi est-ce qu'une IA, finalement, on a toujours tendance à se dire, l'IA, elle va travailler toute seule. Et puis il y aura un algo et il va tout endosser sur lui, et puis basta, terminé. Mais non, à mon avis, la construction s'il y a une IA vertueuse, ce sera en fait des IA qui peut-être s'autocontrôleront. Alors c'est peut-être un monde un peu utopique, hein, parce qu'effectivement, les IA ensuite sont produites par des éditeurs qui ne se font pas forcément de cadeaux les uns les autres. Mais toutefois, dans l'intérêt du patient, est-ce qu'on ne devrait pas finalement proposer à un patient un panel d'IA, un package d'IA, parce qu'elles auront le temps, les IA, elles auront toute la nuit. Les humains, ils dorment, mais les IA, on pourra très bien envoyer les données à 15 algos différents sur dans le monde entier. Et puis, ce qui émergera, in fine, aura valeur de référence, comme disait M. Borghetti, parce qu'il faut bien définir une sorte de référence à un moment donné. Et donc peut-être que 15 IA ensemble, il y aura une référence, et puis 15 humains ensemble autour d'un microscope, pour reprendre ma profession, quand il sort une conclusion de 15 experts ensemble, je peux vous dire que ça a valeur de message divin. Hein. Donc je pense que pour les IA, ça devrait être pareil en fait. Il faut peut-être arrêter de penser que les IA travailleront toutes seules. Voilà, c'est juste un commentaire. Merci. On a deux questions sur le chat. Une question peut-être pour Jean-Sébastien. Est-ce que le principe de précaution devrait être appliqué à ce type de responsabilité pour les actes médicaux de l'IA? Merci pour cette question, même s'il est un peu délicate. Enfin, en tout cas, il est un peu délicat d'y répondre pour moi. Déjà, la question de l'applicabilité du principe de précaution en matière de responsabilité civile n'appelle pas une réponse, je dirais, univoque, me semble-t-il. Je pense que là, il faudrait distinguer selon les hypothèses. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière médicale, on est amené effectivement dans un certain nombre de cas, je pense aux traitements expérimentaux par exemple, à se confronter à cette question. Est-ce qu'on va prendre le risque de pratiquer un traitement dont on n'est pas sûr des effets? Et là, la solution qui s'applique aujourd'hui, c'est que... on n'applique pas le principe de précaution, justement, c'est-à-dire qu'il y a des cas où, avec le consentement du patient, bien sûr, on va appliquer un traitement nouveau qu'on ne maîtrise pas encore, en espérant que ça marche, et peut-être que ça ne marchera pas. Et il y a des patients qui acceptent d'être les premiers à s'exposer à un traitement, et étant entendu que le simple fait que ça n'aboutisse pas ne va pas engager la responsabilité des médecins. Enfin, il se peut que dans le cadre de ce traitement expérimental, le médecin commette une faute. Si on arrive à le prouver, à ce moment-là, il y aura une responsabilité. Mais le seul fait qu'on ait utilisé un traitement expérimental et que celui-ci n'ait pas produit les effets espérés ne conduira pas à l'engagement de la responsabilité du médecin. Et j'allais dire heureusement, parce que là, on voit bien, si la solution était contraire, on voit bien pour le coup qu'elle est faite
d'étouffement pourrait avoir l'application du principe de précaution. Cela étant dit, lorsque je disais que peut-être que dans certains domaines comme le diagnostic médical, si on arrive à des très hauts degrés de performance, on pourrait passer à une responsabilité sans faute, c'est quand même un peu l'idée du principe de précaution. Enfin, c'est pas exactement le principe de précaution, mais c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que bon, bah, y a un risque résiduel. Alors, c'est pas vraiment le principe de précaution, parce qu'en fait, ce risque, on le connaît. Enfin, en cas de diagnostic médical, bah, le risque, il est bien connu, c'est le risque de faire un faux diagnostic. Mais on pourrait envisager, si l'étendue prévisible de la responsabilité n'est pas trop étendue, de basculer effectivement sur une responsabilité sans faute. Manière de simplifier les choses, de ne plus avoir à s'interroger sur la responsabilité, parce que c'est quand même souvent délicat de décider de l'existence d'une faute en matière médicale, et matière de rassurer les utilisateurs. Et en fait, on rentre dans une logique de... Bah, une logique très classique en responsabilité, qui est une logique de risque, alors jusqu'à présent, on n'applique pas en matière médicale, et je crois effectivement qu'elle n'est pas du tout, enfin, en règle générale, adaptée à la matière médicale, mais qui consiste à dire, bah, voilà, on utilise des procédés où on a des activités qui sont licites, mais qui comportent un risque, et donc ben, celui qui met en œuvre ses activités, même s'il n'a pas commis de faute, il doit assumer les dommages qui résultent de la réalisation de ce risque. C'est pas du tout la logique qui s'applique aujourd'hui en matière de médical, mais encore une fois, peut-être que dans des domaines circonscrits, si on arrive à des trop de degrés de performance, on pourrait basculer sur une logique comme ça, qui rejoint un peu la logique de la précaution, même si à proprement parler, me semble-t-il, ce ne serait pas une application du principe de précaution. Merci. On a une deuxième question qui est: que se passe-t-il si le médecin ne comprend pas le diagnostic de l'IA, étant donné que l'algorithme n'est pas toujours explicable? Alors, je ne sais pas si Jean-François Pomerol, qui nous a parlé des caractéristiques que doit posséder une bonne IA, peut répondre, enfin, je pourrais compléter. Mais... Oui, c'est dans la construction de la confiance, et c'est même une obligation que de pouvoir... donner des éléments d'explicabilité de l'algorithme qui est construit en IA. Donc c'est pas toujours évident, parce que les réseaux de neurones, les réseaux d'apprentissage profond, par définition, on leur donne pas de règles. Donc on n'a pas un arbre de décision comme ça a été décrit précédemment. Et on ne sait pas sur quels éléments l'algorithme va se construire et va s'appuyer pour prendre sa décision. En revanche, on peut donner des éléments d'indication. Typiquement, dans nos images, on va pas dire c'est du cancer ou c'est du normal, on va dire c'est du cancer, et on va dire voilà les endroits où l'algorithme a pris sa décision, c'est-à-dire les pixels et donc les structures anatomiques, les cellules qui ont permis d'arriver à la conclusion il s'agit bien d'un cancer, ce qui permet au médecin derrière de revoir ces zones. On lui présente en général d'ailleurs sous forme de galerie ou sous forme d'accès rapide, et donc de dire oui, je valide, c'est bien des cellules qui sont tumorales, c'est bien des structures qui permettent moi aussi de prendre ma décision et de conforter la décision de l'algorithme. Donc c'est une obligation de donner des éléments d'explicabilité pour que le médecin puisse rester en contrôle. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la garantie humaine de l'IA en santé, qui n'est pas toujours applicable, parce que là on est sur des choses, on mimique en fait par l'intelligence artificielle un diagnostic qui est fait aujourd'hui par le médecin, mais il est très vraisemblable qu'on va être capable d'extraire à partir de ces images, je reste dans mon domaine, mais c'est applicable dans des tas d'autres domaines, des informations que le pathologiste, le médecin ne pouvait pas interpréter, parce qu'on est limité par l'instrument, le microscope en l'occurrence, par notre capacité à accumuler des milliers, dizaines de milliers de cellules sur une image. Et donc il est vraisemblable que l'algorithme, il va pouvoir trouver des patterns, des corrélations, des indications auxquelles on n'avait pas connaissance préalablement. Et donc le médecin n'est pas forcément en facilité de valider, voyez, ces éléments nouveaux, et qui sont pourtant des éléments extrêmement intéressants, parce que ça permet peut-être de mieux stratifier, c'est-à-dire de mieux grouper les patients, de trouver ceux qui vont mieux répondre à des thérapies. Et donc on a beaucoup d'espoir sur extraire de l'information à partir des images ou des données qu'on a sur les patients grâce à l'intelligence artificielle qu'on n'était pas capable de comprendre ou d'imaginer avant. Et je pense que là, on va y avoir un gros travail d'explication derrière, c'est-à-dire de voir si finalement ces appariements de patients,
informations qu'on semble pouvoir extraire, est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce qu'on est capable de les expliquer d'un point de vue médical avant de les mettre en pratique? Est-ce qu'on est capable de remonter à l'envers et de se dire finalement ces nouveaux marqueurs, ces nouvelles approches, ces nouvelles tendances qu'on ne savait pas déterminer avant, est-ce qu'on est capable de les corréler à un mécanisme et donc à une cause et une explicabilité médicale? Et donc là, je crois, à nouveau, ça pose la pleine question, et je vais laisser Philippe compléter là-dessus, mais ça pose la pleine question de la relation entre le concepteur de l'algorithme, le data scientist, l'ingénieur, et le médecin, et qu'on ne peut pas se lancer en santé dans un algorithme sans travailler de manière extrêmement étroite à la conception et la validation avec des équipes médicales. Oui, je voulais juste commenter pour apporter une autre réponse à la question qui a été posée. Effectivement, si un médecin constate que le diagnostic d'une IA, ça ne va pas du tout, alors le risque, effectivement, si on n'est pas vigilant, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de médecin capable de dire ça. C'est-à-dire que ce à quoi il faut être très vigilant à l'heure actuelle, c'est de ne jamais se reposer sur le diagnostic d'une IA pour former les humains. Ça m'amène à un point important qui est l'investissement dans la formation. Peut-être paradoxalement, pour au moins un certain nombre de décennies, pour accompagner les IA dans leur évolution et probablement inexorable, il va falloir des humains de plus en plus performants, précisément pour détecter les cas déviants. Et parce que si on commence, nous, humains, à baisser les bras devant ces fantastiques machines, mais qui va leur dire quand elles font des erreurs? Donc ça, c'est un point crucial. Et quand j'entends cette question, je me dis, ben, moi, je suis peut-être encore capable de dire qu'une IA se trompe, mais si on n'est pas vigilant, dans 20 ans, on aura formé des médecins de manière plus légère, on leur aura appris à faire confiance à des IA, et plus personne n'aura le côté discriminant et incisif pour aller contrer un diagnostic fait par une machine. Ça ramène un petit peu à ce que vous disiez. Dans quelle mesure est-ce qu'il faudra abandonner face au diagnostic de la machine? On est dans des romans de science-fiction, là, mais ça va se poser. Hein. Merci. Alors, sur cette question, c'est vrai que le rapport du CNOM, par exemple, insistait beaucoup sur la formation des médecins, ce qui était question intéressante. Alors, si on revient au texte de la loi relative à la bioéthique, effectivement, il est prévu dans le dernier alinéa que les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au 1 s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs. Donc, ça, c'est une garantie qui est prévue par le législateur. Après, c'est vrai qu'à nous, juristes, on nous dit voilà, le fonctionnement des algorithmes, il y a une boîte noire, on ne sait pas toujours l'expliquer. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on explique comment est-ce qu'on explique au médecin qui va utiliser l'algorithme la manière dont il fonctionne si on ne sait pas soi-même? Voilà, c'est la question qui se pose. Et juste pour dire, c'est une question qui se pose déjà dans le cadre du code des relations entre le public et l'administration. C'est l'article L311-3-1 qui prévoit qu'on devrait avoir accès à une information sur la manière dont ça fonctionne. Donc cette question du fonctionnement de l'algorithme et cette question de la boîte noire, c'est sûr que par rapport à ce que le législateur semble poser là, c'est sans doute quelque chose auquel les concepteurs d'algorithmes, de traitements algorithmiques doivent réfléchir. Il y a certaines personnes qui proposaient d'autres garanties que l'explicabilité, par exemple des audits. Est-ce que peut-être des choses qui pourraient se... Est-ce que l'explicabilité c'est toujours possible? Peut-être M. Glatt pourrait nous parler de ça. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y aurait d'autres garanties qu'on pourrait envisager remplaceraient la question, cette accessibilité, cette compréhension du fonctionnement? Je ne sais pas si je suis le plus à même d'en parler, mais... Alors effectivement, il y a deux façons de les appréhender. Soit on est capable de lire ce qu'ils font et on est capable de l'expliquer, soit on fait une validation un peu empirique en disant, regardez, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais pour vous répondre, il s'est appuyé sur ces valeurs-là. Et est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'il a trouvé douteux dans une image, par exemple? Est-ce que vous constatez, vous, médecin, que c'est douteux?
Je trouve, contrairement à une machine qui est révisée, étalonnée, qui a ses méthodes de certification, l'algo, au bout, il y a toujours un humain, c'est développé de façon extrêmement artisanale. C'est beaucoup de thèses, beaucoup de discussions, beaucoup de... Et la validation me semble un très vaste sujet auquel je n'ai pas de réponse. Jean-François, Pomerol, peut-être sur le sujet. Je pense qu'il y a des méthodes pour donner des éléments d'explicabilité, c'est-à-dire même si on ne connaît pas les règles et on ne sait pas sur quoi l'algorithme s'appuie ou son arbre de décision, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de visualiser et de donner à voir des éléments d'explicabilité. La difficulté, ça va peut-être être de corréler ces éléments d'explicabilité avec des causes. Est-ce que ça a du sens d'un point de vue médical ? Je retombe sur cette notion-là. Et des fois, on peut faire des corrélations dans des données, vous savez très bien ça, et que ces corrélations n'ont aucun sens, aucune pertinence. Donc, c'est pareil dans les algorithmes. Donc ça, je pense que c'est un point qui est tout à fait emporté de donner des éléments d'explicabilité qui est tout à fait nécessaire. Après, sur la validation, quand on développe un algorithme qui est un dispositif médical, puisque c'est le cas, de concevons des logiciels qui sont des dispositifs médicaux dans lesquels on introduit de l'intelligence artificielle, on passe par une validation. Et une validation qui s'appuie, comme tout dispositif médical, sur des validations cliniques, sur des dossiers réglementaires, donc qui sont audités d'ailleurs par les organismes notifiés, qui sont déclarés. Et donc on a les deux éléments. On fournit des éléments d'explicabilité qu'il faut absolument corréler avec une compréhension médicale, et on fournit des dossiers de validation et des validations cliniques derrière. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments de rassurance. Vous venez de développer, c'est vrai que, et ce que j'ai souligné sur le fait que ça se limite aux dispositifs médicaux, c'est vrai que les logiciels peuvent être des dispositifs médicaux, mais est-ce qu'il y a des situations où un traitement algorithmique pourrait intervenir hors le cas où on utiliserait un dispositif médical ? S'il a une finalité médicale, pour moi, il tombe sous la réglementation des dispositifs médicaux. S'il a un usage médical et une finalité médicale, donc tout revient aussi sur la dimension de la revendication médicale que l'on a par rapport à l'algorithme. Est-ce que c'est de l'aide au diagnostic ? Est-ce que c'est du diagnostic assisté ? Est-ce que c'est du contrôle qualité ? Dans tous les cas, on est dans une revendication médicale et donc on tombe sous le coup des règlements européens, des dispositifs médicaux, code de la santé publique, etc. Après, on peut avoir des algorithmes IA sur des données humaines qui n'ont pas une revendication médicale. Pour son jogging, pour monitorer son jogging. Donc là, évidemment, on ne tombe plus dans la même catégorie. Mais dès qu'on est avec une finalité médicale, on devient un dispositif médical, même si on n'est qu'un logiciel ou qu'on n'est qu'un algorithme. Et donc, on est soumis à une validation et un marquage CE en Europe. Il y a une dernière question dans le chat. Est-ce que le fait que le patient doit être informé du recours à l'IA n'implique pas que de manière implicite il pourrait refuser, puisque le patient dispose toujours du droit de refuser ? Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas dans le texte de droit d'opposition, mais qu'à partir du moment où le refus de soins est toujours possible, effectivement, il n'y avait peut-être pas besoin de consacrer ce droit d'opposition, mais enfin, c'était une proposition qui était faite par différentes déclarations de garantir dans ce type de disposition, enfin d'insérer un droit d'opposition. Jean-Sébastien. Alors, je profite de ce que je suis là en aussi bonne compagnie, mais pour moi, c'est pas très clair en fait ce texte-là, notamment l'article 4001-3 grand 1, parce qu'on s'assure donc que la personne a été informée. Mais alors, si je comprends bien ce texte, moi je comprends, mais peut-être que justement, je suis pas sûr de tout à fait de mon interprétation, que si par exemple le docteur Berthaud cède d'un logiciel d'IA pour poser son diagnostic, il faudra en avertir le patient. Si c'est ça, alors ça va faire beaucoup d'informations. Avec en plus des choses un peu pratiques, mais typiquement, quand on,
Beaucoup de diagnostics sont faits par des laboratoires, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait le prélèvement, puis ensuite on envoie le diagnostic. Enfin, je veux dire, on envoie le diagnostic dans un laboratoire. Donc, il faudra quoi? Que le laboratoire écrive aux patients pour leur dire attention, on va analyser votre frottis en faisant appel à une IA, tout ça. Enfin, je peux comprendre l'idée par derrière, mais j'ai peur qu'en pratique, ça tourne vite à l'usine à gaz. Et en plus, on sait bien que trop d'informations tuent l'information. Donc, si c'est pour que le patient se voit, au cours d'un traitement médical un peu complexe, se voit averti 5 fois que, attention, il y a de l'IA qui va rentrer en ligne de compte, enfin, qui va intervenir. S'il faut signer 5 papiers supplémentaires pour dire qu'on a bien reçu l'information, puisqu'en matière médicale, il faut que le débiteur de l'information prouve qu'il a bien fourni l'information. Donc, il faut se ménager des preuves de ça. Donc, enfin, je dois avouer que je suis pas sûr de bien comprendre le texte, mais ça, c'est pas très rassurant, je trouve. Peut-être qu'Adèle. Jean-François a l'air d'y voir plus clair. Adèle, bonjour. Oh, pardon. Mais Adèle. Oui, juste un commentaire. C'est pas très nouveau. Nous, on anime des réseaux de télémédecine. On a la même obligation à un patient pour lequel on demande un avis, un second avis, un acte de télémédecine doit aussi être informé qu'il a été. Son dossier a été transmis à un confrère avec les problèmes pratiques quand on n'a pas, comme dans les laboratoires, l'accès direct effectivement aux patients, mais c'est dans cette continuité, c'est pas strictement lié à l'IA de mon point de vue. Adèle Lutin. Oui, je pense que là-dessus effectivement on est sur une obligation d'information qui est souvent difficilement réalisable, mais qu'on voit souvent dans le cas de traitement de données dans lequel le responsable n'est pas celui qui va collecter les données. Et du coup, on voit qu'en pratique, c'est souvent très compliqué à effectivement mettre en place. Je veux dire, on a vu l'exemple récent de gros entrepôts de données où les données sont normalement collectées par les pharmaciens, avec une obligation contractuelle pour les pharmaciens de faire l'information qui a visiblement pas toujours été très respectée. Donc peut-être qu'il y aurait des choses à penser autour de l'information. Peut-être que après, il faudrait. Est-ce que quand on lit l'article de la loi bioéthique, est-ce qu'on considère que c'est une information individuelle? Est-ce qu'on peut avoir une information globale dans un livre, enfin le livret d'accueil par exemple, dans les hôpitaux? Est-ce que c'est une information globale du recours à l'IA au sein de l'établissement, ou est-ce qu'il faut que ça soit à chaque fois qu'on utilise une IA, il faut informer de ça? Et d'ailleurs, sur l'information, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans cet article-là, c'est que dans le grand 1, on nous dit que c'est un professionnel de santé qui décide d'utiliser, et dans le 2, on nous dit qu'ils sont également informés du recours à ce traitement. Donc du coup, il y a une information des professionnels, et ensuite, ils décident si oui ou non ils souhaitent l'utiliser. Après, sur la décision d'utilisation, est-ce qu'il n'y aurait pas une forte incitation à utiliser des tels algorithmes s'ils sont incités, par exemple, par des remboursements plus favorables par l'assurance maladie, comme parfois on peut voir quand on déclare un médecin traitant, on est mieux remboursé. Enfin, je pense que là-dessus, sur l'information, il y a des choses. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura des choses qui vont devoir être créées, et du coup, peut-être, des choses avec des plateformes aussi, peut-être, qui peuvent exister, notamment quand on s'enregistre en ligne pour aller dans des hôpitaux. Peut-être qu'il y a à ce moment-là des informations qui pourraient avoir lieu. Mais je pense que dans tous les cas, cette information-là, elle devrait peut-être s'accompagner d'une une sorte de démystification de l'intelligence artificielle pour s'assurer que les gens ne prennent pas peur quand on leur dira que leurs données sont utilisées par un algorithme. Pardon, une dernière question. À l'inverse, peut-on imaginer que le patient ait le droit d'exiger le recours à une IA? Sur cette question, je n'ai pas de réponse. J'imagine que c'est dans le cadre de la relation entre le médecin et le patient, qui peut toujours décider de que la relation de confiance ne s'est pas établie, Monsieur Berthaud, si, et puis on reviendra là-dessus. Si le patient a envie de prendre ce risque. Oui, pourquoi pas. C'est sûr qu'on choisit son médecin, pourquoi on n'aurait pas le droit de choisir son IA? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais... Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les intervenants pour leurs exposés et ces débats passionnants. Et très bonne soirée à tout le monde.